Thank correspondance d'une bourgeoise avertie pour témoigner de l'évolution amoureuse de son siècle. Monsieur Madame Suzanne X m'a fait part de votre désir de correspondre et uniquement cela avec une femme qui s'offrirait totalement à vous, qui prendrait du plaisir à vous lire et dont les réponses vous combleraient par leur piquant, leur bizarrerie et leur franchise. L'aventure, je l'avoue, me tente fort, à condition que nous en restions à des conventions très strictes. Chacun d'entre nous doit s'engager à ne jamais vouloir percer l'anonymat de l'autre, et, ainsi masqué, lui dire les choses les plus extravagantes sur le sexe, tout comme les plus sages d'ailleurs. On m'a dit, monsieur, combien vous pouviez être exigeant en ce domaine, et quel homme imaginatif vous étiez. J'ose espérer que je saurais me montrer digne d'un tel correspondant. Je me tiens donc prête à recevoir de vous ce courrier par l'intermédiaire de notre ami, et m'engage à y répondre en dénudant à vos yeux mes fantasmes les plus fous et mes expériences amoureuses les plus intimes. Votre Monsieur. Permettez moi de vous dire mon étonnement devant le caractère pour le moins laconique de votre première missive. En me demandant de me décrire par le menu, vous laissez retomber sur moi tout le poids des prémices. Vous voulez donc mener la danse Soit. Je ne m'y soustrairai point. Vous confesserai-je cependant que votre question m'embarrasse et que je ne suis aucunement sûr de pouvoir vous satisfaire J'imagine que vous ne souhaitez pas une description anatomique en ordre. D'ailleurs, j'en serais bien incapable. En tout cas, grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Nous ne savons pas comment nous sommes faits. Figurez-vous donc qu'il a fallu que je me mette devant mon grand miroir pour observer mes seins. Je me suis approché très près, je les ai soupesés. Ils sont, ma foi, assez lourds et le bout rosé, a priori sans grand relief, s'est redressé et granulé lorsque je les ai pressés contre la glace. J'ai ressenti à ce contact quelque chose d'acidulé, sans que je le veuille vraiment. Mes mains se sont mises à masser les deux globes laiteux dont toutes les fibres ont semblé se tendre lentement. Ces doigts, qui peu à peu pétrissaient cette poitrine offerte, avaient quelque chose d'extrêmement possessif. Mes propres mains s'emparaient de moi et mes seins s'offraient à la caresse et la voulaient plus insistante. Le trouble que j'ai ressenti était tel qu'il m'a fallu m'asseoir. Mon cœur battait la chamade et l'air me manquait. Mais Dieu c'était agréable. Mes seins m'ont toujours procuré un plaisir intense, aussi bien à les voir que sous la caresse. Peut-être est-ce parce que mon premier vrai souvenir érotique est lié à des seins magnifiques. C'était il y a bientôt dix ans, lors d'une sortie en barque sur les étangs de. à la fin des vacances d'été. Je venais de passer un mois d'une douceur infinie chez les parents d'une de mes amies de pension, et cette promenade était en quelque sorte le point final de mon séjour à. Simone, ma compagne, m'avait beaucoup entouré durant ces quelques semaines, mais je n'avais rien remarqué d'extraordinaire. Ce jour-là, donc, alors que le soleil se couchait derrière les ajoncs et que la nature semblait s'être tue, je ramais, non sans quelque maladresse, pour regagner le rivage, lorsqu'un mouvement malencontreux de ma compagne la fit tomber par dessus bord. Heureusement l'eau n'était guère profonde, et Simone en fut pour sa peur. Nous dûmes toutefois nous allonger pour faire sécher ses vêtements. Sa jupe étalée autour d'elle comme une corolle, Simone mit ses bras sous sa tête en guise d'oreiller, et cette position fit saillir deux petits seins paumés, moulés par le tissu humide rendu transparent. La réole semblait si dure, qu'elle fut pour moi une tentation immédiate j'avais envie de presser entre mes doigts ces deux petites groseilles, et je le fis sans hésiter. Simone, loin de protester ou de se débattre, se laissa faire, offerte. Au bout de quelques minutes, alors même que sa respiration se précipitait, elle déboutonna son corsage, dégageant deux mamelons à la peau fine et translucide. J'y portai lentement les lèvres, et me mis à les sucer. Les deux petites pointes semblaient vivantes. Alors que ma compagne se tendait de plus en plus, je les mordillais, les faisant rouler sous mes dents. Simone poussa un petit cri, cambra ses reins, puis se détendit dans un spasme violent. Sa main chercha ma gorge, l'agrippa, et je sentis ses ongles s'enfoncer dans ma chair. Paradoxalement, je n'eus pas mal. Le soir, durant le dîner, alors que depuis lors nous n'avions pas échangé un mot, comme pour conserver un secret, nous nous lançâmes quelques regards complices. Ses parents, ses frères et ses sœurs ne prêtaient guère d'attention à deux adolescentes encore bien innocentes. Au dessert, je sentis sa main frôler la mienne. Sous les ongles longs qui avaient labouré ma gorge, un peu de mon sang avait séché. Je m'aperçois tout à coup que ma lettre est déjà fort longue et que je me suis laissé aller à mon goût des anecdotes. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous voudrez bien me dire, monsieur, si ce début de réponse vous convient. Votre. Monsieur, la promptitude que vous avez mise à me répondre m'autorise à penser que ma lettre ne vous a pas laissé totalement indifférent. Vous exigez cependant plus de hardiesse, alors que vous-même restez extrêmement discret et distant. Dois-je en conclure que vous allez vous comporter seulement en lecteur j'allais dire envoyeur? J'y trouverai certes mon compte, mais sûrement pas à suffisance. Vous devez, vous aussi, Monsieur, vous dévoiler et m'émouvoir. J'attends de vous une lettre plus éloquente, à la lecture de laquelle mes sens me pousseront à être comme vous le souhaitez. Votre Monsieur. Vous avez donc choisi la crudité. Si vous souhaitiez me choquer ou me décourager, vous en serez pour votre peine. Je n'ai en effet jamais été de celles qui s'effarouchaient à la moindre agression du sexe, et je puis vous l'avouer, il m'est arrivé de prendre du plaisir dans les bras d'hommes qui ne brillaient pas par leur raffinement. Dès les premières lignes de votre lettre, j'ai compris que j'allais être soumise à quelques sensations fortes. Je me suis enfermé dans ma chambre et vous ai lu, allongé sur mon lit, la tête bien calée entre deux coussins. J'avais relevé ma robe sur le ventre et baissé légèrement ma culotte. Mes doigts flattaient les duvets de mon sexe au rythme de ma lecture. Une fois votre lettre terminée, je l'ai posée, entr'ouverte à côté de moi, afin de pouvoir relire quelques lignes, tandis que je caressais le petit bouton qui se cache dans le repli de mes lèvres et que j'avais dégagé. Mon index est allé chercher plus bas le liquide de mon sexe pour mieux faire rouler l'endroit de mon plaisir. Pendant ce temps, je léchais les doigts de mon autre main que j'avais humidifiée par une lente pénétration. J'étais à la fois tendu et relâché, tandis que je me représentais, à ma manière, les scènes de votre missive. Vous décrivez votre sexe au moment de l'enfouir, gonflé de sève, sensible au moindre attouchement, le gland légèrement humide. Sachez, monsieur, que je l'ai pris dans ma bouche, que j'ai senti son odeur un peu fade, mais ô combien enivrante. J'ai fouillé son petit trou avec le bout de la langue, et j'ai transformé le conquérant de la lettre en un être qui attendait tout de moi. J'ai même pris le plaisir, monsieur, de ne pas vous faire jouir et d'attendre à plus tard. Quant à moi, mes doigts ont longtemps hésité entre mes deux petits trous pour se contenter enfin d'un plaisir normal, mais seul. J'ai beaucoup mouillé, comme j'ai beaucoup joui. Votre. Monsieur, vous me dites ne pas être fâché par la liberté que j'ai prise de m'offrir, dans ma dernière lettre, un petit plaisir solitaire. Je vous en remercie, mais sachez que j'ai bien l'intention de récidiver autant que cela me chantera. Pour le reste, après les émotions de votre lettre précédente, j'avoue être resté un peu sur ma faim. Moi aussi, je veux plus de hardiesse. Pour combler la solitude, dans laquelle vous m'avez abandonné par le laconique de votre missive, je me suis offert une escapade non épistolaire avec notre Suzanne. Je ne vous décrirai ni sa bouche, ni ses yeux, ni son con, ni le reste, car je tiens d'elle que vous les connaissez fort bien. Pour moi, au contraire, c'était une découverte, et je ne le regrette pas. Imaginez vous d'abord que notre amie est excitée au plus haut point par notre jeu de lettres, et qu'en m'offrant son corps, elle pensait qu'elle allait obtenir des détails sur notre aventure. D'autant plus précis que je serais ému. Il faut dire qu'elle n'avait pas reculé sur les moyens employés pour m'amadouer. La lumière de son salon, parfaitement étudiée, invitait aux attitudes les plus lascives le parfum de Suzanne, lourd et enveloppant, était une véritable mise en demeure. Quant à elle, vêtue seulement d'une légère chemise de soie, fendue haut sur la cuisse, elle ressemblait à une friandise obscène. J'eus donc immédiatement envie de la prendre, de la manipuler oui, de la manipuler, de la faire réagir à mes caresses, de la soumettre par le plaisir. Passant ma main entre ses cuisses, j'ai compris qu'avant même tout attouchement, elle était ouverte et prête au laisser aller le plus total. Je n'ai pas eu besoin de rechercher dans son coffret un de ces petits étalons en ivoire qu'elle affectionne tant. Je l'ai branlé, oui. Tout simplement branlé, en murmurant à son oreille, alors que j'en mordillais le lobe, quelques énormités qui, à chaque fois, augmentaient ses râles d'abandon. Je l'ai si bien prise que c'est elle qui a parlé. Et elle a parlé de vous, monsieur. Mais il est tard, et je laisse à ma prochaine lettre le détail de ses aveux. Votre Monsieur. Ainsi donc, vous trouvez le procédé inélégant. Je n'aurais pas dû faire parler Suzanne, et seules nos lettres doivent nous dire qui nous sommes. Mais vous êtes tellement rétif qu'il faut bien vous forcer. J'aurais certainement préféré apprendre directement de vous que vous adoriez se demiser notre ami, comme cela, à l'improviste, et sans lui demander son assentiment. Vous avez, m'a t-elle révélé, passé un pacte ensemble, qui vous autorise à vous assouvir ainsi en elle quand bon vous semble. Elle aime beaucoup cela, m'a-t-elle dit, même si parfois elle n'est pas très disponible. Mais savoir qu'à n'importe quel moment vous pouvez la prendre semble beaucoup l'exciter, et j'avoue que cela m'émeut aussi, profondément. Elle m'a dit que vous ne la connaissiez que sous cet angle là, si je puis dire, et que vous vous refusiez à tout autre commerce avec elle. Vous a-t-elle dit que vous étiez le seul homme à la prendre par là? Tout cela me trouble beaucoup et m'a troublé sur le moment à tel point que j'ai exigé d'elle qu'elle me pénètre par derrière bien sûr avec un de ses adorables godmichets. Au début, j'ai senti une petite douleur, mais une fois écartée, j'ai eu envie de ressentir l'objet au plus profond de moi. Je le lui ai demandé, et elle m'a murmuré à l'oreille que j'étais une salope. Et ce seul mot m'a mené à l'extase. Comprenez vous donc pourquoi, au prix de quelques supercheries parfois, je me refuse à me priver de tels plaisirs même indirects? Votre Monsieur Ma petite provocation a donc bien marché, puisque vous condescendez maintenant à me parler de vous. J'ai fort apprécié votre cours de vocabulaire érotique à propos de la sodomie mais je dois vous avouer que, pour ma part, je reste attaché à enculé et tous ses dérivés c'est à mes yeux le mot qui dit le mieux ce qu'il veut dire et il y a en lui une certaine violence une brutalité qui convient parfaitement à l'acte chaque fois que je désire me faire enculer je sais bien que je me livre à un acte de possession et que je ne suis jamais aussi soumise qu'ainsi on n'encule pas doucement ou avec précaution c'est un acte dominateur et le fait de ne pas être prise de face y ajoute encore. J'adore sentir sur moi le poids de celui qui m'encule, comme j'aime le plaisir incomplet que me procure cette pénétration. Mais peut-être, monsieur, ne pouvez vous pas saisir toutes ces considérations, vous qui êtes toujours dans la position de celui qui pénètre. Votre Monsieur. Comment vous dire le bonheur que vous avez produit en moi en vous laissant aller à vos confidences? je ne me doutais pas que ma dernière phrase provoquerait en vous une telle réaction. Ainsi donc, vous n'êtes pas toujours dans la position de celui qui pénètre. Quelle surprise. Quelle merveilleuse surprise. Moi qui voyais en vous avant tout un sexe long et roide, prêt à toutes les incursions, vous avez donc, vous aussi, comme moi, ressenti le plaisir d'abord furtif d'un gland chaud et élastique qui cherche son passage, qui vous caresse avant de vous fouiller. Vous avez ressenti le désir fou d'être ouvert et pénétré. Vous avez tendu votre cul, écarté de vos deux mains vos fesses, pour être enfoncé plus profondément. Quelle chose extraordinaire. Savez-vous que j'ai déchargé en vous lisant et que je n'ai pas résisté au plaisir de me titiller l'anus avec le goulot d'un petit flacon de parfum qui traînait sur ma coiffeuse? J'en suis encore toute chose et je sens que le premier qui passerait ferait l'affaire. J'ai envie d'un vie souple et long et chaud. Je veux qu'il me pénètre et me fouille. J'ai envie d'enfoncer mes ongles dans la toison d'un sexe d'homme. Je veux masser sa bourse tendue et pleine, je veux sentir dans ma main, dans mon cul, dans ma bouche, gicler le sperme chaud et poisseux et m'endormir en sentant peu à peu le liquide colère à mes lèvres. Votre Monsieur. Oh oui, continuez ainsi, vous m'affolez littéralement, et l'homme que je découvre me fascine et me déroute à la fois. Vous dites que vous passez des heures entières à fantasmer sur mon sexe, que je ne vous ai pas encore décrit, et que vous vous caressez chaque jour en pensant à lui. Comme je fais la même chose, moi aussi, gageons que nous l'avons faite en même temps, au moins une fois. C'est un peu comme si nous l'avions fait ensemble. Comment vous décrire sans être trop infidèle cette partie de mon être qui vous met en émoi Je vous dirai d'abord, et il ne s'agit pas d'un problème de vocabulaire. Que ce n'est pas un con. Non, c'est quelque chose de petit, d'étroit, de souple et de secret. C'est quelque chose de goulu, petite bouche inassouvie, tout le temps tendue, gourmande, à l'affût de tous les plaisirs petits ou grands. Et si vous passiez par là, monsieur, par hasard, elle vous imposerait un de ces baisers dont elle a le secret. On dit pourtant aussi que derrière ce sourire se cachent des dents et qu'elle est capable de morsure. Oh, d'une morsure bien tendre, juste pour faire jaillir le jus du fruit dont elle s'empare. Vous concevez qu'abriter en soi une telle présence n'est pas toujours facile. Elle est tellement insatiable. C'est bien pour cela que je fais en sorte de toujours l'assouvir et par tous les moyens. Votre? Monsieur, ma description ne vous a pas déplu mais vous auriez préféré, me dites vous, que je parle avec moins de distance du sujet qui vous préoccupait. Rassurez vous, je n'ai pas adopté ce style par pudibonderie, mais tout simplement parce que je le ressens comme cela. De toute façon, je vous le jure, je m'en sers sans recul et sans retenue. Pas plus tard qu'hier, alors que je me promenais sous les arcades du Palais royal, où je m'étais réfugié pour échapper à une ondée, j'ai été abordé par un monsieur fort bien mis, qui, après avoir fait mine de s'intéresser à la même vitrine que moi, m'a purement et simplement prise par le bras en me soufflant à l'oreille, Venez, j'ai envie de vous. Vous me croirez si vous le voulez, mais l'abrupte de cette proposition, loin de me glacer, a provoqué en moi comme une décharge électrique, et je me suis senti le suivre comme l'aurait fait la dernière des filles publiques. Le monsieur en question, après m'avoir fait monter dans une garçonnière très proche, rue de Richelieu, je crois, m'a lentement déshabillé. Le tout sans que nous ayons prononcé un seul mot. Il s'est attardé à chaque partie de mon corps. Il s'était assis sur une chaise basse, sorte de prie-dieu, tandis que debout, je lui faisais face. Lorsqu'il m'a eu mise totalement nue, il a enfoui sa tête entre mes cuisses et a cherché mon clitoris. Je sentais sa salive se mélanger à mon liquide, tandis que ma vulve s'ouvrait sous la pression insistante de sa langue, qui l'avait fraîche. J'étais partagé entre le violent désir d'écarter mes jambes pour m'offrir et celui de les serrer très fort dans un mouvement inconscient de masturbation. C'est lui qui a choisi. Il m'a ouverte violemment par devant et par derrière. Il s'est relevé, a dégagé un membre dur et noueux, et m'a prise comme cela debout, tout en m'enfonçant son pouce dans le cul. Ces mouvements de va-et-vient me soulevaient littéralement. L'homme, tout à son affaire, ne s'occupait guère de mes réactions. Il me baisait, et en le suivant ainsi, c'est bien cela que j'avais voulu. Soudain, je sentis qu'il se répandait en moi. Mon vagin se contracta en un premier spasme. Cet accouplement me convenait parfaitement. Il se servait de moi, et j'aimais ça. Nous étions tombés à genoux sur l'épais tapis, il se retira, m'allongea sur le sol et but son propre liquide mélangé au mien au bord des lèvres de mon sexe. Lorsque je l'ai quitté, il n'a rien dit, il m'a raccompagné jusqu'à la porte, c'est tout. J'en suis encore bouleversé. Votre? Monsieur. Vous m'en voulez peut-être d'avoir été silencieuse depuis quelques jours. N'y voyez aucun signe de lassitude de ma part. Au contraire. En fait, votre dernière lettre m'a beaucoup troublé. Vous prétendez m'interdire toute aventure extérieure à notre correspondance et vous souhaitez que je trouve en elle la totalité de ce que vous appelez mon inspiration érotique. J'y songe. Mais pour le moment, je ne m'en sens pas vraiment le courage. Par ailleurs, vous n'allez pas me faire croire que le récit de mes privautés vous laisse indifférent. Vous devez bander, tout comme moi je mouille à la lecture de toutes les petites cochonneries sans lesquelles la vie ne serait pas supportable. De retour de voyage, mon mari m'a fait l'amour de la manière la plus classique qui soit, mais il le fait très bien caresse sur tout le corps, massage des seins à vous en faire perdre le souffle, incursion des doigts dans le sexe et ailleurs, pénétration lente et profonde fort bien scandée. Un orgasme comme je les aime aussi, Bien balisé, sans surprise, mais réussi. Il ne se doute pas comme je lui suis infidèle, avec vous, monsieur, d'abord en pensée, et puis avec les autres dont je vous parle et vous parlerai. Votre Monsieur, décidément, vous ne reculez devant rien. Vous m'envoyez, comme vous l'écrivez, un jeune garçon pour que je le déniaise. Et que je vous en fasse ensuite le récit. Êtes-vous bien sûr d'avoir pris toutes les précautions pour préserver notre anonymat? Enfin, j'accepte, et vous fais pleinement confiance. Il est vrai que j'ai toujours été très attiré par les initiatives. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux qu'un bon dépucelage Le mien propre n'y est pour rien, et pour tout dire, il n'a guère été réussi. Ou peut-être à contrario, est-ce le regret que j'en ai qui me fait aimer les déflorations J'attends donc ce jeune ami et me prépare à l'initier pour notre plus grand plaisir, sans oublier le sien. Votre Monsieur. Il est donc venu et convenait parfaitement à nos desseins, à la fois anxieux et décidé, peut-être embarrassé, mais aussi par trop pressé. Il a fallu que je lui explique c'était à moi qu'il revenait de mener les débats, et il s'est laissé faire de bonne grâce. J'avais enfilé un simple déshabillé rouge en soie, il voilait à sa vue tout ce qu'il avait envie de voir. Je l'ai allongé sur ma méridienne, et, après avoir caressé lentement son visage, excité sa bouche avec mes ongles, j'ai défait, bouton après bouton, sa chemise. J'ai dégagé un torse imberbe encore, mais déjà bien musclé. Lentement, j'ai agacé la pointe de ses seins, tandis que, la tête renversée en arrière, il fermait les yeux de contentement. Brusquement, j'ai retiré son vêtement de son pantalon et j'ai serré mon jeune amant dans mes bras. Il a poussé une sorte de grognement en cherchant à caresser ma croupe. Je l'ai laissé faire. J'ai dégagé son sexe raide et fin dressé vers moi. Mes doigts ont commencé un lent manège du haut vers le bas et du bas vers le haut le long de la hampe. Puis j'ai préparé son gland pour l'acte final. J'ai tiré sur le prépuce. Le garçon s'est tendu en gémissant faiblement. La peau était encore rouge et vive. Il a fallu que je mette de la bouche. Oh. Comme c'était bon de le lubrifier et de l'exciter. J'ai senti qu'il fallait faire vite et que le chérubin allait se répandre plus tôt que souhaité. Je l'ai pris à califourchon. Votre? Monsieur. Vous avez donc rôdé une partie de la nuit du côté des mauvais quartiers, excité par le spectacle de toutes ces prostituées qui s'exhibent avec complaisance. Vous n'avez suivi aucune d'entre elles, me dites vous. Je le regrette, croyez le bien, car le récit, je n'en doute point, en eût été certainement fort piquant. Mais je crois cependant que vous avez bien fait, quant à vous, d'en rester là, car le charme eût été rompu. Découvrir un corps fut-il de rêve dans une soupante ne me semble pas digne d'un homme aussi exigeant que vous semblez l'être. Je conçois fort bien que la simple pensée de pouvoir immédiatement entreprendre selon son bon plaisir une femme là, parce qu'elle est à vendre, peut comporter quelque agrément, mais la victoire est si facile qu'elle en devient, ce me semble, dérisoire. Moi aussi j'aime aller reluquer de temps en temps quelques petits jeunes gens disponibles, et, le cas échéant, je ne dédaigne pas de les faire monter dans ma voiture, pour consommer sur le-champ cet amour tarifé. Mais voyez vous, c'est moins le plaisir de m'emparer d'un corps étranger que la fange de la prostitution qui me fait jouir. Combien de fois n'ai-je pas été moi-même tenté de me livrer à ce commerce? attendre, là, dans l'ombre d'une porte cochère, ou bien sur les banquettes d'un bouge, l'inconnu qui, d'un geste de la tête ou de la main, vous intimera l'ordre de le suivre, découvrir ses turpitudes, être un simple jouet entre ses mains, n'éveiller en lui aucun respect, n'être que de la chair que l'on pétrit, que l'on saisit, et dans laquelle on prend son plaisir, comme d'autres se masturbent. Et puis, après cette rencontre forcée et fugitive, en attendre un autre, en craignant des exigences inacceptables, quoiqu'en faisant tout pour exciter de mille façons ces hommes à la recherche d'un corps où se vider. Quel plaisir aussi de jouer sans retenue des multiples ressorts de la séduction, femmes provocante, putain agressives ou vierges perdues en enfer. Quel plaisir encore que ce défilé de sexes qui s'enfoncent en vous, impérativement ouvertes, béantes. Ah, que ne suis-je une catin pour pouvoir me livrer à vous sans que vous le sachiez. Votre Monsieur, comment vous remercier de toutes les délicieuses descriptions de bordel dont vous m'avez gratifié en m'écrivant hier Auriez-vous enfin le souci de me faire quelques petits plaisirs que je ne serais pas obligé de vous dérober Pour la peine, je veux vous dire une histoire qui, je l'espère, vous plaira. Certes, il ne s'agit que d'un rêve coquin, mais après tout, pourquoi nous en priverions-nous quand ça vient si facilement Je m'étais donc allongé, il y a quelque temps, pour me reposer en fin d'après-midi, avant d'affronter une soirée où je devais paraître et que je redoutais. Mon esprit vagabondait à la limite du sommeil, caressant des formes qui m'émeuvent si facilement d'habitude que je suis obligé d'assouvir aussitôt mon désir par des pratiques solitaires. J'admirais donc la longueur d'un sexe lorsque je me rendis compte qu'il s'agissait de celui d'un âne. Long, dur et droit, magnifique et inaccessible, un de ces sexes que vous n'osez espérer lorsque vous débraguetez un homme. Je ne savais plus ce que ma main caressait, la bête ou moi. J'étais en âge, écartée, ouverte, prête à me remplir du foutre qui n'allait pas manquer de jaillir à flot du membre. Et cela arriva. Quelle décharge! Partout, j'en avais partout, noyé dans le sperme, plein les mains, la bouche, le cul, les seins, je me vautrais dedans, mon corps en était enduit, chaque spasme faisait jaillir une nouvelle goulée. Ah, mourir étouffé, noyé, étranglé par le foutre! Votre? Monsieur, vous avez, prétendez-vous, trouvé mon rêve un peu animal, et vous ne semblez pas partager mon attirance pour ce que vous appelez mes débordements. Je n'aurai pas la cruauté de penser que vous craignez la comparaison, mais votre attitude m'incite à vous fournir des explications. Mon désir, voyez vous, est parfois si intense et si impérieux, qu'il me semble impossible d'en différer plus longtemps la satisfaction. Je ne dédaigne pas loin de là l'élan préparatif, mais ces jours là j'ai besoin d'être comblé. Combler, c'est bien le mot. Lorsque je l'écris, je sens parfaitement ce que je veux dire. Combler, comme on le fait d'un trou. Il me faut quelque chose dedans, c'est tout. C'est ainsi. Et dans ce cas, foin de préparatif. Vite, vite, le plus profond et le plus vite possible. Alors un âne, comprenez-vous Mais je sais aussi attendre et goûter l'effleurement de doigts hésitants sur mon poignet. Je sais sentir, presque de manière tactile, un regard qui pénètre le mien, ou qui se pose insistant sur les lèvres. Dans ce cas, je puis me contenter du jeu de ma bouche, de ma langue qui rend brillantes mes lèvres que je laisse entrouvertes. Peu d'hommes pourtant sont capables de ce jeu-là, et croyez-moi, je le regrette aussi. Pourquoi se priver alors de tous ces plaisirs si divers? Je voudrais en fait pouvoir faire vibrer mon corps et mes sens, c'est-à-dire également mon esprit et surtout mon imagination de toutes les manières possibles. Je vous en prie, par vos lettres fournissez-moi l'occasion. Votre Monsieur. Vous aurais je donc convaincu, ou bien les critiques que vous m'adressiez dans votre précédent courrier n'avaient elles pour objet que de me pousser dans mes retranchements? J'ai bien aimé votre façon de me dire combien vous aimiez, vous aussi, parfois, cette bestialité que vous me reprochiez. Je parlais d'être comblé, et vous me dites votre plaisir de vous vider, de décharger. Je ne suis pas homme, mais j'imagine fort bien ce que vous pouvez ressentir en m'écrivant cela, ou plus simplement en le faisant. En vous lisant, je tentais d'imaginer ce que pouvait être pour un homme le jet de sperme qui gicle de lui. Mais mes sens sont ainsi faits, je ne puis guère le transcrire, même en pensée. J'ai pourtant moi aussi envie de connaître cette sensation-là. À défaut, comblez-moi, en pensée bien sûr. Votre, monsieur. Je n'ai encore jamais fait ce que vous me priez instamment d'accomplir pour votre contentement. J'ai cependant connu bien des situations dont j'aurai certainement l'occasion de vous conter le détail un de ces jours. J'ai fait l'amour avec une femme, j'ai fait l'amour avec un homme, mais aller me livrer aux deux à la fois ne m'est point encore arrivé. Je ne veux pas dire par là que la chose ne m'est jamais venue à l'esprit, bien au contraire. Mais tout bêtement, l'occasion ne s'était pas encore présentée à moi. La crainte peut-être de me trouver compromise et entraîner ensuite dans des combinaisons que je ne souhaitais pas puisqu'il paraît que je dois vous faire pleine confiance sur vos singuliers amis. Votre Monsieur. Sans doute vais je vous décevoir, ou tout au moins décevoir votre attente. Je ne suis pas allé au rendez-vous que vous m'aviez indiqué. Ce n'est pas faute d'y avoir rêvé, mais les images du mélange des corps auxquels j'allais participer n'ont pas dû m'inciter assez à sortir de mon anonymat qui me dit qu'un jour ou l'autre je n'aurais pas rencontré ici ou là l'un de mes partenaires ou peut-être même les deux non décidément je ne veux plus courir ce danger pour la bienséance rassurez-vous j'avais fait prévenir et les deux personnes n'ont pas attendu dans l'incertitude figurez-vous que j'avais même pensé envoyer quelqu'un à ma place mais la même crainte m'a retenu trop de monde dans la confidence et nous pourrions être victimes d'une catastrophe je ne sais point d'ailleurs si aujourd'hui je ne crains pas moins une catastrophe sociale que de perdre une aventure à laquelle je me suis habitué et qui me manquerait cruellement. Votre Monsieur. Non, je n'irai pas, et ce, malgré votre courroux et les menaces à peine voilées que vous faites planer sur notre correspondance. Je n'accepterai aucun chantage, et veux vivre en toute liberté la relation qui nous rassemble. Vous ai-je d'ailleurs jamais intimé l'ordre de vous livrer à une quelconque activité pour mon seul plaisir? Je crois qu'il serait plus sage que nous nous fassions tous deux pleinement confiance quant à notre capacité à exciter l'autre. Pour ma part, les aventures scabreuses et programmées me semblent un peu trop besogneuses. Je ne veux pas dire que le plaisir de la lecture doive nous suffire il faut bien nourrir nos lettres, tout comme notre imagination, de quelques activités concrètes. J'observais l'autre jour, en un lieu que je ne vous indiquerai pas, un couple très intéressant. Ni l'homme ni la femme ne parlaient, seuls leurs yeux s'épiaient, se fouillaient et vivaient. À les regarder bien, l'on sentait naître en eux une émotion peut-être aussi sublime que n'importe quel accouplement fougueux. Tout cela se passait au milieu d'une foule compacte, et ni l'un ni l'autre ne bougeait. Au bout de longues minutes, alors qu'il ne s'était rien passé, ils sont partis côte à côte, marchant d'un pas lent et calculé, comme s'ils retardaient le moment où, seuls quelque part, ils allaient pouvoir s'étreindre. À les épier ainsi, mon sang s'était figé, je sentais mon cœur battre très fort et mon souffle était court. Mes tempes bourdonnaient, et là, oui, je les aurais bien suivis pour me mêler à leurs ébats. Il est vrai que je n'y aurais peut-être pas eu ma place, mais qu'importe, mon rêve m'a suffi je les voyais roulant sur un lit, et froissant leurs vêtements, cherchant avec la maladresse que seuls ces instants là nous donnent, à se posséder mutuellement, allant d'un endroit du corps à l'autre, chacun attendant que l'autre soit plus indiscret et plus précis. Puis une main tremblante et furtive ferait tomber les dernières résistances et les dernières hésitations, un membre dur, dessiné sous l'étoffe, un sexe de femme ouvert et humide que l'on recherche dans les replis des dessous et qui, au premier frôlement, se retire pour mieux se donner ensuite. Des doigts qui libèrent des boutons, des pressions ou des agrafes et le désordre qui entoure dans la sueur des corps les râles de l'amour. Votre Monsieur. Ah Je n'osais y croire vraiment. Mais c'est arrivé, vous êtes revenu à de meilleurs sentiments. Croyez pourtant que je n'ai mis dans ma dernière lettre aucun artifice et que j'ai vraiment ressenti et imaginé tout ce que j'ai écrit. Ainsi vous ai-je fait la preuve que notre fantaisie sait fort bien pallier l'absence de pratique. D'ailleurs, que vous importe de savoir si ce que je vous raconte existe vraiment ou si c'est là le fruit d'une imagination fertile? Quand ma main me cherche pour me donner du plaisir, les images qui se forment dans mon esprit demeurent floues, et j'ai souvent du mal à me fixer sur l'une d'elles. C'est plutôt l'atmosphère créée par le choc de plusieurs d'entre elles qui m'excite et peut m'emporter. Il en est de même lorsque je feuillette des livres ou regarde des gravures osées tout en me caressant. Au moment où je sens monter le plaisir, mes yeux se ferment, et je me laisse aller à un doux délire où tout est là, puissant, présent, mais sans contour précis. C'est donc aussi à ces impressions là que je suis sensible, et, je puis vous le dire, au plus haut point. Mais peut-être n'est ce pas suffisant pour satisfaire votre appétit, et attendez vous de moi beaucoup plus. Dites-le moi. Votre Monsieur. Plus, beaucoup plus. Vous en voulez à satiété. Mais pourrais je vous satisfaire vraiment et n'allez vous pas vous lasser trop tôt de descriptions sans fin où plus rien n'est caché? Je reste persuadé en effet que le caché demeure toujours le plus désiré. Il ne s'agit pas seulement de s'assouvir il faut plutôt s'enrichir, se gonfler de sève, le reste finalement n'étant que le couronnement d'une longue et bonne préparation. Je pourrais, bien sûr, vous décrire des putains qui s'ouvrent, s'écartent, se branlent, se font mettre partout des sexes longs et gros, je pourrais aussi vous dire leur odeur et parler de débauche. Mais franchement, je ne ressens pour ce rôle épistolaire-là aucune capacité particulière. Et puis, j'en suis certaine, vous devez avoir maintes autres occasions de vous faire compter cela ou même d'en jouir directement. Que je sache, les bordels existent toujours et tout le monde peut y aller sans crainte. On vous y offre toutes les spécialités et ma simple plume à ce combat-là ne ferait pas le poids. Je préfère les frôlements verbaux. En voulez vous? Je vous en propose déjà un peu aujourd'hui. Lorsque j'étais plus jeune, oh il n'y a pas bien longtemps tout de même, j'essayais toujours d'imaginer ce qui pouvait se passer entre les hommes et les femmes que mes parents recevaient et qui se présentaient en couple. Je jouais la petite fille sage, et, après avoir fait les révérences et compliments d'usage, je me collais dans un coin pour observer chaque geste, chaque regard, chaque attitude. Un soir, alors que mes parents avaient convié quelques connaissances et que la conversation allait bon train, mon attention fut alertée par le regard effaré que ma mère porta tout à coup à son voisin de droite. Son étonnement ne fut perceptible que quelques fractions de seconde, mais suffisamment cependant pour que j'essaie d'en comprendre la signification. Du fauteuil où je m'étais pelotonné, j'apercevais le dessous de la table, et bien sûr les pieds des convives, ainsi que leurs jambes, mais guère au-delà du genou, le reste étant caché par les plis de la nappe blanche. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque je vis la bottine du voisin de ma mère relever lentement et avec beaucoup de dextérité sa robe et son jupon, de telle sorte que je pouvais voir ses jambes gainées de soie. Arrivée à une certaine hauteur, ce fut la main qui prit le relais mais je ne pus la suivre jusqu'au bout, puisqu'elle était cachée. La pièce, dès lors, se joua à rideau fermé sans pour autant perdre de son intérêt. Comme si de rien n'était, le convive continuait de parler à mon père. Ma mère s'était tue, sa main gauche étreignait convulsivement la serviette, qu'elle avait à demi posée sur la table, tandis que son sourire restait figé. Bientôt ses genoux se mirent à faire un mouvement régulier d'ouverture et de fermeture, tandis que ses pommettes se coloraient. Au bout de quelques instants, sa main lâcha la serviette, plongea quelque part dans les profondeurs du dessous de la table, et ses genoux se serrèrent. Aller voir comme cela seulement, on sentait la tension de tous leurs muscles. Ils furent immobiles un court instant, et j'eus l'impression que cela durait des heures. Puis, comme si elle était redescendue sur terre, ma mère reprit part à la conversation. Je n'ai jamais revu ce monsieur à la maison. En partant, il m'embrassa sur le front, et je me souviens encore de l'impression de brûlure que je ressentis à son contact. Les invités partis, ma mère glissa son bras sous celui de mon père et dit simplement et si nous allions nous coucher, mon ami? Votre Monsieur Ma dernière lettre a provoqué en moi une réflexion que je souhaite vous livrer, car elle éclaire véritablement ma personnalité. En fait, et c'est peut-être là un des traits les plus originaux de mon caractère, je suis de plus en plus attiré par ce que j'appellerais le double jeu. Quelle jouissance, n'est ce pas, que d'être honnête à la ville, de bénéficier d'une renommée d'inaccessibilité, pour certains même d'insensibilité, alors que votre œil est sans cesse aux aguets et que votre corps comme votre âme sont prêts à toutes les aventures. Peut-être tiens-je en cela de ma mère telle que je vous l'ai décrite. L'année dernière, revenant de où j'avais passé quelques semaines de repos, je me trouvais seul dans mon compartiment de train avec un monsieur qui n'avait pas même daigné détourner le regard du journal dans lequel il était plongé lorsque je m'étais installé. Cette ostensible indifférence m'agaça et je décidai de provoquer le monsieur, mais de telle sorte qu'il fût dans l'embarras. Au bout d'un certain temps, je fis mine de m'enfoncer plus profondément dans mon siège et de me relâcher. Je fermai les yeux comme si je m'assoupissais. Mon regard à demi caché par la voilette de mon chapeau, je pouvais observer mon vis-à-vis -vis sans qu'il s'en rendît compte. Ce que j'attendais ne tarda pas à venir. Imperceptiblement, l'homme baissa la feuille qu'il lisait, me jeta un coup d'œil furtif, puis, pensant que je dormais, commença à m'observer sans détour. Je ne bronchais pas. Son regard balayait mon corps, allait de haut en bas, puis remontait lentement. Je dis lentement, car il mettait à cela une lenteur qui ressemblait à une caresse. De toute évidence, il tentait de deviner à travers mes vêtements les courbes de mon corps. Hélas pour lui, je ne m'étais point vêtue pour lui faciliter la tâche, et il devait rester sur sa faim. Je décidai donc de lui en offrir un peu plus. J'entr'ouvris légèrement mes lèvres, que j'avais bien dessinées de rouge avant de partir, et qui, ainsi maquillées, semblaient toujours humides. Il devait apercevoir entre mes dents un peu de ma langue et, ainsi, tous les rêves lui étaient permis. Quant à moi, au lieu de continuer à l'observer, je fermais réellement les yeux et imaginais son regard comme le prélude à d'autres pénétrations. Je sentais presque une langue qui me fouillait et je répondais à ses sollicitations. La sensation était déjà tellement forte qu'un picotement harcelait ma nuque. J'entrouvris mes yeux et compris tout de suite que mon compagnon de route était tout sauf indifférent. Il avait purement et simplement posé son journal à côté de lui, et les plis de son pantalon ne laissaient subsister aucun doute quant à l'état dans lequel les seuls mouvements de mes lèvres l'avaient mis. Je décidai donc de pousser l'avantage. Imperceptiblement, j'avançais mon pied gauche entre les siens et le laissai reposer sur le talon afin que les mouvements rythmés du train lui impriment un léger mouvement de balancier. Très vite, j'en vins à frôler la pointe de l'une de ses chaussures qu'il se garda bien de retirer. Au contraire, il se déplaça de quelques millimètres afin que la pression intermittente fût plus appuyée. J'abandonnai alors carrément mon pied contre le sien et attendis. J'eus l'impression que son immobilité durait un siècle. De toute évidence, il ne se déterminait pas, partagé entre l'envie de profiter d'une situation exceptionnelle autant qu'inattendue et la crainte de réveiller une innocente voyageuse dont il ne pouvait présager les réactions. Enfin, le moment vint où il décida d'agir à son tour. Il commença par coincer entre ses deux pieds le mien, tout en faisant lui aussi semblant de somnoler. En tout cas, la pression qu'il exerçait eût été suffisante pour ramener à elle la plus ensommeillée des dormeuses. Je ne me retirai point, me contentant de me redresser un peu. Il s'enhardit alors et frotta contre ma cheville ses jambes qu'il allongea. Je poussai un léger soupir, « Mila, Mila Sif ». Sa main se posa alors avec légèreté sur mon genou, et j'avoue que l'accélération des événements me prit un peu de cours. J'avais voulu l'agacer mais irais je plus loin. Nous étions seuls, et il était peu probable que nous fussions dérangés. Je plongeai dans l'aventure ma main gantée frôla la sienne, il se pencha vers moi, effleura mes lèvres des siennes, et sans que j'aie pu dire ouf ou protester si j'en avais eu envie, il s'assit à côté de moi. Notre première étreinte fut longue, et nous n'interrompions nos baisers que pour reprendre notre souffle. Il fouilla bien vite entre mes jambes, tandis que je cherchais à dégager son sexe, qui se tendit vers moi, dur, long et chaud. Ses doigts s'activaient dans ma fente, et me mettaient dans un état dont l'évocation aujourd'hui produit encore en moi une émotion certaine. En un seul élan, je le pris dans ma bouche. Son gland, gonflé et souple, écartait mes lèvres tant il était gros, Très vite il se répandit et j'avalais goulûment un sperme qu'il me servit abondamment en de longs spasmes qui contractaient tous ses muscles. Il avait enfoncé ses doigts dans les plis de mon corsage et enserrait mes seins comme des étaux. Il se détendit peu à peu, tandis que son doigt massait consciencieusement le repli de mon sexe. Oh comme il me branlait Je m'entendis murmurer « Encore Encore !» et m'abandonner à son insistante pénétration. » Après avoir joui ainsi, nous restâmes sans rien dire encore longtemps, puis il murmura à mon oreille un petit merci, se leva, rassembla ses affaires et descendit à l'arrêt suivant. Arrivé à Paris, j'étais attendu par celui qui devait devenir mon mari. Je pus lui dire sans nullement lui mentir que j'avais passé un excellent voyage. Votre? Monsieur. Après avoir cacheté ma lettre avant hier, mon trouble était si grand que je suis sorti à la recherche d'une aventure, une vraie, une de celles qui se présentent à vous ainsi et qui s'impose. Hélas. J'ai eu beau marcher lentement dans les rues et dévisager jusqu'à l'effronterie les hommes que je croisais, il ne s'est rien passé, et je suis rentré chez moi, le désir chevillé au corps. Déçu et désemparé, je me suis abandonné à des rêveries impudiques qui n'ont rien arrangé à, à l'affaire plus le temps passait et plus j'étais incapable de me maîtriser. J'allais me résoudre à me donner seul le plaisir que j'aurais tant aimé d'un autre, lorsqu'une visite inopinée vint déranger le cours des choses. Je dus prendre sur moi et recevoir une jeune personne, envoyée justement par notre Suzanne. Nouvelle venue à Paris, elle avait, paraît-il, besoin de quelques conseils pour s'installer. Je compris cependant très vite que cette intrusion n'était qu'une machination de notre ami qui me jetait dans les bras une petite pour que j'en fisse ce que bon me semblerait. Or, je vous l'ai dit, il me fallait prendre du plaisir tout de suite, la chose était impérieuse et ne souffrait aucun délai. J'agis donc avec la brutalité dont j'aime parfois que certains hommes usent avec moi. Après quelques phrases banales, je lui dis tout crûment que je la voulais baiser. Elle fit semblant de s'effaroucher, de vouloir se lever et partir. Vu la brutalité de mes propos, c'était bien la moindre des choses. Pourtant, un simple geste de moi la fit se rasseoir, et, comme par enchantement, elle consentit. Son corps jeune et ferme fut vite nu. Peut-être trop vite. Je me dévêtis aussi et sentis bientôt la chaleur de sa peau contre la mienne. Nos seins s'écrasaient l'un contre l'autre. Nos cuisses s'enlaçaient, et je suçais le lobe de ses oreilles. Elle poussait de petits cris, donnait de brefs coudrins, tandis que j'enfonçais un puis deux doigts dans son cul, elle tendit mieux son sexe que je buse avec délice. Ma langue l'ouvrait, le léchait, et s'en pourléchait. De son côté, elle s'affolait littéralement et tentait de m'enfoncer son poing dans le con. Elle y mettait toute la force dont elle était capable. En vain j'étais trop étroite. Mais quel plaisir. Nous fîmes ainsi l'amour pendant une bonne heure, puis, repus, nous nous quittâmes. Elle avait l'air contente. Je l'étais aussi. Votre Monsieur, il m'est venu à l'esprit une idée que je n'arriverai pas à chasser tant que vous ne m'aurez pas répondu. Assurez-moi que la petite de l'autre jour ne m'a pas en fait été envoyée par vous. Je ne voudrais pas en effet être manipulée à mon insu. Je veux vous donner tout de moi, je consens à tout, mais je le veux dans la clarté. Mon refus de rencontrer l'autre jour votre couple ami ne veut pas dire pour autant que je me soustrais à toute expérience que vous me proposeriez. Au contraire. En attendant votre réponse, je reste vôtre. Votre Monsieur, c'est ce qui s'appelle sauter sur l'occasion. Vous souhaitez donc le plus souvent possible me dicter ma conduite. J'irai donc assister à ce spectacle privé dont vous me dites tant de bien, mais j'y veux aller avec Suzanne. Seule, j'aurais trop peur. Les seuls spectacles de ce type auxquels j'ai assisté n'étaient en effet pas programmés. Je ne vous en raconterai qu'un seul. J'avais alors dans les seize ans et mon expérience des choses de la vie, en tout cas de celles qui nous intéressent tous deux se limitait à quelques pincis-pincas avec mes cousins. Un jour, alors que je fouillais dans les affaires de mon frère, que je soupçonnais d'avoir des trésors qu'il me cachait, j'entendis des pas, et pour ne point me faire découvrir, me précipitai derrière le rideau d'une penderie. Quelques secondes plus tard, apparut notre petite bonne, une belle rousse aux pommettes et au nez plein de taches de son. Elle se mit à son tour à fouiller dans les tiroirs de mon frère, comme si elle y cherchait quelque chose de précis. C'était d'ailleurs le cas. Elle sortit bientôt un illustré dont je ne distinguais pas le titre, mais sur la couverture duquel je reconnus une silhouette de femme. Elle se mit aussitôt à le feuilleter avec ardeur, tant et si bien qu'elle n'entendit pas mon frère arriver. Il surgit si promptement et avec si peu de bruit qu'on eût dit qu'il la guettait. Elle se leva, rouge et confuse, mue comme par un ressort, la brochure maladroitement cachée derrière son dos mon frère prit un air de réprobation, ferma la porte derrière lui, lui fit signe d'approcher comme pour récupérer son bien. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il se saisit d'elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. Comme un ordre. Visiblement, il profitait honteusement de la situation. La petite bonne recula de deux pas, releva lentement son petit tablier de dentelle blanche, puis sa robe noire, qu'elle portait au-dessus du genou, pour révéler une petite culotte bien fraîche qui moulait un beau petit cul. Mon frère s'approcha et, du bout du doigt, tira dessus, inspecta, puis enfouit sa main. La petite ne savait plus que faire, mais mon frère lui fournit aussitôt l'occasion de s'occuper. Lui posant la main sur l'épaule, il l'agenouilla tandis qu'il se débraguettait. Elle happa aussitôt son sexe, tandis qu'elle le branlait en partant bien de l'entrejambe son rythme s'accéléra tout à coup, mais mon frère se retira, la contourna, la plia vers l'avant et la pénétra violemment. Je ne vis pas quel trou il avait choisi, mais au cri qu'elle poussa, je pense qu'il l'enculait. Elle agitait sa tête comme dans un signe de dénégation, tandis que ses doigts grattaient le tapis. Quelques minutes plus tard, le spectacle était terminé, les acteurs reprenaient d'autres rôles, et redisparaissaient comme ils étaient venus. J'espère que celui que vous me proposez sera aussi plaisant. Votre Monsieur, j'y suis allé. Mais quelle déception Je n'aurais jamais cru qu'un montage érotique pût être si fade. Je ne sais si je dois vous décrire le leur. Vous devez le connaître déjà, mais à vouloir être trop suggestif, certains décors en deviennent dérisoires. Je me suis toujours profondément ennuyé à l'opéra, pour cette raison même. Je suis totalement insensible aux décors de carton, au maquillage grotesque et aux effets de scène. S'agissant d'opéra, reste au moins la voix des acteurs et la musique dans sa fosse. Mais là, vraiment, il n'y avait ni l'un ni l'autre, et l'étalage de chairs entremêlées auxquelles j'ai été soumise a provoqué en moi le plus profond ennui. Les figures quasi acrobatiques qui nous ont été présentées relevaient plus de l'art du cirque que de celui de Vénus. Quant au simulacre de débauche, ils m'ont laissé deux marbres. On peut en effet empiler ainsi des hommes et des femmes qui font semblant de prendre du plaisir ensemble, mais point trop n'en faut. Et puis enfin, si l'on veut vraiment montrer ces gens qui se font l'amour, pourquoi se croire obligés de se cacher derrière la mythologie Bacchus et les nymphes. Quel grotesque J'espère que vous réfléchirez la prochaine fois avant de m'envoyer quelque part. Voyez-vous, plus j'y pense, et plus je suis persuadé que je suis sensible au plus haut point à la simplicité. Quoi de plus beau, et quoi de plus suggestif qu'une main dans un corsage, ou un regard insistant entre deux êtres qui se désirent Tous les artifices de la Terre n'y changeront rien. Et l'imagination, alors Je vous l'ai déjà écrit, je crois. Elle doit jouer le plus grand rôle. Mais attention, ce genre d'exercice ne souffre pas la médiocrité. Il en va de la représentation de l'amour comme de sa pratique. Elle range chacun à sa juste place, les médiocres d'un côté, en grand nombre, et puis les autres. Et pas de degré intermédiaire, m'allez vous demander? Eh bien non, c'est ainsi. Je crois qu'il existe, en ce domaine là au moins, une sorte d'aristocratie, et nul ne peut prétendre lui appartenir sans donner de sérieux gages de ses capacités. J'ai même tendance à penser qu'il en est bien ainsi. Si la prouesse amoureuse était la chose au monde la mieux partagée, peut-être cela m'amuserait-il moins. À chacun ses qualités. Et ce qu'il y a de plus délicieux, n'est-ce point de les découvrir en l'autre, peu à peu, et parfois par mégarde? Je sens que vous faites partie de ces privilégiés, c'est pour cela que j'ai le plaisir à vous lire. C'est pour cela aussi que j'ai été bien déçu. Allons, rachetez-vous. Votre. Monsieur. Vous avez eu l'air surpris de mon regret. Je croyais avoir été pourtant suffisamment clair, et si je puis vous sembler exigeante, sachez que j'y vois là une qualité. Vous ne doutez pas, je l'espère, qu'une femme comme moi, dès lors qu'elle décide de braver les conventions, en cachette bien sûr, a une foule d'occasions de sonder les âmes et surtout les corps. Vous n'imaginez pas combien la moindre créature portant jupon peut sans cesse être sollicitée. Et il faut beaucoup de vertu, ou de crainte, pour résister durablement à ces perpétuelles tentations. Il est vrai que beaucoup d'entre nous ont été dressés à chercher un mari, et qu'elles se gardent pour lui. Avec la dot, elles apportent leur petite virginité en plus. C'est tout. Mais Dieu merci, on arrive parfois à se libérer de cette vision des choses, et là commence la véritable aventure car pour cela il n'y a aucune convention et aucun parcours préparé à l'avance. Il y a seulement la curiosité, la soif d'en savoir plus, et puis la conquête. Chaque fois qu'un homme se trouve face à une femme, il se met précisément en position de conquête, tentant de faire apparaître ce qui lui semble le plus apte à la faire succomber. Aujourd'hui, il fera l'important et jouera l'insensible, Demain, transformé, il campera les romantiques et sera tout sentiment. Mais ce que le monsieur ignore souvent, c'est que la proie, c'est lui, et que la prétendue victime l'entortille de ses fils jusqu'à se rendre maîtresse de lui. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu l'occasion d'en faire l'amusante expérience. Lors d'un dîner en ville, un monsieur me fut présenté qui manifesta sans délai les marques d'un grand intérêt pour ma petite personne. Il m'adressa d'ailleurs quelques paroles charmantes, mais par jeu, je tournai les talons et rejoignis d'autres convives. Toute la soirée fut une partie de cache-cache. Il me regardait, je détournais les yeux. Il s'adressait à moi, je faisais mine d'être attentive à quelqu'un d'autre. Il ne savait plus comment s'y prendre quand je décidais de le désarmer en passant à mon tour à l'offensive. Le café servi, j'allais m'asseoir d'autorité sur le même canapé que lui et le dévisager à deux reprises de manière effrontée, puis je lui adressai moi-même la parole à tel point qu'il me sembla partager entre la stupéfaction et le contentement, encore que l'un ne soit pas nécessairement exclusif de l'autre. Lorsque je décidai de rentrer chez moi, il proposa de me raccompagner jusqu'à mon logis. J'acceptai. Il ne se sentait plus de joie, persuadé de m'avoir conquise. Eh bien, celui-là, je l'aurai. Votre. Monsieur. Je ne pensais vraiment pas que je l'aurais si vite. Alors même que je vous écrivais ma dernière lettre, on m'apporta en effet un éclatant bouquet de fleurs de la part du monsieur en question. Cela manquait évidemment un peu d'originalité, mais il faut parfois savoir sacrifier aux conventions pour mieux pouvoir y échapper. Une petite carte y était jointe, me demandant l'autorisation de me rendre visite. J'avoue avoir été séduite par la rapidité de ma victime à se rendre et par sa résolution à le faire sans détour. Je consentis donc à le recevoir et cela vient de se passer. Ce que je vous raconte est encore tout chaud. Profitez-en. À peine entré dans mon salon, notre homme tourna une phrase assassine et me dit tout de go que depuis qu'il m'avait rencontré, c'en était fait de lui que son âme ni son cœur ne lui appartenaient plus, qu'il était sans cesse en pensée avec moi, et qu'il n'avait pu résister au besoin impérieux de venir se jeter à mes pieds. Le ton et le style y étaient, je ne savais pas que certains pouvaient faire encore aujourd'hui dans le genre grand siècle. Quoi qu'il en soit, il fallut que je réponde à cette charge furieuse, et j'avoue avoir eu bien du mal, au moins dans un premier temps, à me montrer à la hauteur. Il était en effet exclu que je me laisse aller trop vite, tout comme il était impensable que je rejette ce que j'avais espéré. Je décidai donc de jouer l'étonnement flatté, laissant ainsi à l'assaillant le choix de l'attaque suivante. De manière relativement classique, il me rappela notre conversation sur le canapé de nos amis et notre chemin de retour où il m'avait escorté. Il me dit, fort justement, que les conventions avaient ceci de pratique, qu'elles étaient décryptables, et que même si je ne l'avais pas voulu, du moins inconsciemment, j'avais consenti à cette visite que je l'avais même autorisée voire provoquée. Je me récriais, ce qui redoubla l'ardeur de notre homme. Il me dit que mes yeux et que mes attitudes parlaient sans que je le veuille et que si je n'avais rien ressenti directement et clairement à son égard, c'est que je m'y refusais. Je lâchai donc un peu de l'est et fit semblant de croire que je prenais tout à coup conscience d'une attirance envers lui que je n'avais point formulée. Je lui dis cependant qu'il ne fallait pas pour autant penser que je cédais à ses avances, mais il devint si pressant que je décidai de rompre là. Je lui dis combien sa visite m'avait troublé, combien j'avais besoin de réfléchir à ce qui m'arrivait, et le priai instamment de me laisser seul. Il y consentit après avoir baisé mes mains et m'avoir demandé de l'autoriser à revenir très vite pour nous entretenir de l'état de nos sentiments réciproques. J'y ai consenti. Je vous dirai ce qu'il adviendra de la prochaine rencontre. Votre Monsieur. Il est revenu, et je vous jure que je ne lui ai guère laissé le temps de souffler. J'avais en effet décidé de me comporter comme un tourbillon, et dès qu'il a été chez moi, je lui ai fait sentir par des mines et des soupirs que j'étais résigné à succomber. Il s'est empressé, a serré mes mains, s'est collé à moi, tandis que je faisais semblant d'avoir quelques remords encore. Puis nos lèvres se sont unies. Il avait la langue agile, fraîche et pénétrante. J'en avais plein la bouche, et j'avais envie qu'il me fouille ainsi longuement. Mais le monsieur était pressé et m'entreprit vivement. Quelle hâte! Quelle fougue à me déshabiller! Il me voulait nu, et il m'eut comme cela. Il me coucha sur le tapis, m'écarta, me pénétra des doigts qu'il avait eux aussi agiles. Je sentais des décharges qui pataignaient jusqu'au plus profond de moi. Il me lécha partout avec application, et lorsqu'il enfonça son sexe, j'avais fondu. Il me donna de longs coups de reins qui résonnaient en moi et m'arrachaient des cris. Ah, il ne faisait pas dans la finesse, mais quelle rute, quelle violence exquise, je le sentis enfin qui s'épanchait. Il ne relâcha pas pour autant son étreinte, et, croyez-moi si vous le voulez, sans reprendre haleine, il me mena à l'extase toujours aussi raide et dure. Je le suçais alors, mouillant son membre de ma salive qui se mêlait à son sperme. Comme tout à l'heure de sa langue, ma bouche était pleine, et j'en aurais voulu encore. Nous nous caressâmes encore longtemps, mais avec moins de vigueur. L'assaut terminé, nous passâmes à une sorte d'apaisement. Discret, courtois et attentif, il me quitta ensuite, et me voilà encore tout étourdi. Votre Monsieur, la privation de l'être que vous venez de me faire subir durant plusieurs jours mériterait des représailles, mais je ne m'y résous point. Vous écrire et vous lire sont devenus pour moi une activité qui rythme mon quotidien à tel point que parfois je me surprends à vous parler ou à agir comme si vous m'observiez. Vous êtes entré ainsi peu à peu dans ma vie et j'ai de la difficulté à vous laisser dans l'ombre des tiroirs de ma table de travail. J'ai relu certaines de vos lettres dont le sens m'avait échappé, même si chacune d'elles est déchiffrée cent fois. J'avoue avoir du mal à vous imaginer, et pourtant vous me donnez assez de détails pour reconstituer un personnage à peu près complet. Mais il est si contradictoire que je me demande s'il existe vraiment, ou si vous ne jouez pas à brouiller les pistes. Si c'est pour essayer de demeurer masqué, ne prenez pas cette peine. Notre contrat est clair, je ne tenterai jamais d'en savoir plus que ce que vous voudrez bien me dire. De tous les portraits que je conçois de vous, je ne sais si celui de l'amant infatigable, étalon toujours prêt à saillir ses femelles, ou celui du séducteur habile et délicat me plaît le plus. Vous avez dû le sentir. L'un et l'autre tour à tour me conviennent, mais généralement je ne trouve pas cela chez le même homme. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que je ne m'attache guère à mes amants de passage. Très vite, en effet j'ai compris comment il marchait, et le ressort est cassé. J'avais rencontré, il y a quelque temps déjà, un homme dont le souci premier était de séduire. Il semblait disposer d'une véritable science lui permettant de s'adapter à chacune de ses interlocutrices, de lui tenir le langage qu'elle attendait, de la flatter là où il le fallait, ou, si nécessaire, de lui tenir la dragée haute. Lorsque je l'ai connu, n'ayant nullement été prévenu, je suis tombé dans ses raies sans même m'en rendre compte. Il avait su se montrer suffisamment distant avec moi pour m'intéresser, suffisamment fin d'esprit pour me faire rire, suffisamment élégant pour m'attirer. Pour lui, la partie était gagnée. Nous nous sommes revus à plusieurs reprises, mais rencontre après rencontre, son jeu m'a lassé. J'aurais souhaité qu'il fût plus hardi dans ses avances, et son esprit si fin ne m'a pas longtemps suffi. J'aurais souhaité qu'après m'avoir conquise par ce qu'il y avait de plus civilisé en lui, il consentît au débordement de l'instinct. Peut-être n'en était il pas capable en tout cas, ce qu'il me proposait en matière de plaisir ne me satisfit pas, et je dus aller voir ailleurs ailleurs je trouvais quelques hommes prêts à me trousser gaillardement, mais la plupart du temps incapables d'être autre chose. Une fois l'acte consommé, il ne restait rien, sinon une furieuse envie de fuir. Votre Monsieur La lettre que vous venez de m'écrire m'a beaucoup impressionné, et une fois de plus, je me rends compte qu'en dépit de tous mes efforts, je réagis avec des préjugés. J'aime les hommes, vous le savez, mais je les vois souvent plus frustes qu'ils ne sont. Je ne croyais pas qu'un homme pouvait avoir aussi envie de fuir après l'amour, et que certaines conquêtes laissent un goût amer. Je comprends mieux maintenant que beaucoup d'entre eux demeurent des séducteurs, et seulement cela. Je comprends aussi du même coup qu'une fois la victoire assurée, ils en restent là mais m'interdirez vous de penser qu'il serait bon de rencontrer parfois quelqu'un qui puisse allier les deux, dont on puisse attendre le plaisir de l'esprit et celui du corps, qui puisse, après l'extase, combler encore votre âme de ce qu'elle attend à ce moment là? Ah. M'allez vous dire, vous en demandez peut-être trop. C'est vrai, mais je ne me résoudrai pas facilement à ce choix si triste. J'ai le sentiment, en effet, de pouvoir, quant à moi, apporter aux hommes qui m'attirent ces deux choses qui vous semblent exclusives l'une de l'autre. Je sais bien sûr que cela demande un certain don de soi et que l'on ne peut s'y résoudre avec n'importe qui. Mais cette exigence même permet de faire le tri et de ne pas se laisser remporter n'importe où. Je deviens exigeante, c'est bien le mot, mais est-ce condamnable? Dans tout ce que je fais, dans le plaisir comme ailleurs, je recherche avant tout l'esthétique. L'amour comme un des beaux-arts. Voilà, n'est-ce pas, un programme digne d'attention. Votre Monsieur. L'amour comme un des beaux-arts vous semble donc une conception dangereuse. Vous craignez, me dites-vous, du dogmatisme dans tout cela et l'enfermement dans quelque école. Que la pratique d'une chose agréable et sans cesse renouvelées comme la musique, la peinture ou la danse, n'aboutissent finalement à une théorie pesante servant à justifier l'immobilisme. Pour cela, soyez sans crainte. Je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui me guette. Mais vous me semblez avoir une conception bien triste et bien limitée des beaux-arts. Ne vous inquiétez pas. Je saurai toujours faire preuve de spontanéité, de nouveauté et de fraîcheur. Ce qui m'attire dans l'amour, ce sont précisément ces variations sur un même thème. Il n'y aura jamais pour moi de figures imposées ou d'exercices de style. À chaque fois, je veux découvrir du neuf ou raffiner une sensation déjà connue. À ce propos, justement, j'étudie, si je puis dire, depuis déjà longtemps, une sensation particulière dont je voudrais vous parler. Il ne s'agit nullement d'une petite sensation subalterne. Il s'agit de ce que j'appelle pour moi lorsque j'y réfléchis et lorsque je la recherche, seule ou avec quelqu'un, la montée du plaisir. Le problème a, ah, vous en conviendrez, de l'importance. Il a tellement d'importance qu'il concerne ce que j'ai décidé de mettre au centre de ma vie. Mais là, je parle du plaisir à son apogée, au plus profond de la chair et au plus profond de l'âme. Le plaisir dévastateur, celui qui vous fait sortir de vous en même temps qu'il demeure enfoui et danse, celui qui fait crier, celui qui fait mordre les lèvres jusqu'au sang, celui qui ne s'éteint que dans de grandes étreintes. Ce plaisir là n'est pas donné au commun des mortels. Il demande une prédisposition j'allais dire une élection mais le terme n'est peut-être pas celui qui convient le mieux. Se laisser ainsi envahir par un flot tumultueux demande une ouverture et une sérénité que tout le monde ne peut avoir. Le cas est encore plus incertain parce qu'il faut le plus souvent être deux pour y atteindre. Par quelle conjonction deux corps peuvent ils tout à coup se tendre et se comprendre jusqu'à n'être plus qu'un désir d'explosion et de concentration à la fois, j'avoue que je ne sais pas. Si à chaque fois que je ressens cela se renouvelle en moi l'accomplissement d'un mystère, je dis bien un mystère et pas un miracle, il y a quelque chose de divin qui souffle en moi et qui me dépasse. Des beaux-arts au divin, il n'y a qu'un pas. Cela s'appelle peut-être le sacré. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous dis et condamnez, si vous le jugez bon, cette exaltation que je ressens à me relire. Votre Monsieur, vous me voudriez plus simple Soit j'essaierai de l'être j'espère cependant que ma dernière lettre ne vous a pas donné de moi une fausse image et pour reprendre je crois l'un des derniers termes que j'employais je ne suis en aucune manière une exaltée fuse du sexe ce qui me semble en effet dangereux mais comment ne pas être troublé par cette alchimie qui se produit en nous au moment de la montée du plaisir c'est bien cela vers quoi nous tendons n'est-ce pas lorsqu'avec des mots avec des caresses avec les deux à la fois nous faisons l'amour c'est cet absolu-là qui justifie tant de recherches rarement abouties parfois même tant d'échecs mais je ne vous ennuierai pas plus avec des considérations qui semblent vous agacer vous voulez de la simplicité voire de l'abrupte je ne voudrais pas vous frustrer et je compte même vous prouver par là que le côté par trop cérébral que vous me reprochez peut contribuer à des plaisirs d'autant plus raffinés qu'ils sont apparemment sans malice. Il est un jeu que j'affectionne particulièrement et auquel je me livre régulièrement. Il demande peu de moyens matériels, seulement de l'imagination. Lorsque je rencontre un monsieur qui me plaît, je l'observe attentivement et imagine que je suis en train de le caresser. De le caresser là où il est le plus sensible, là par où vous cédez tout en le regardant, je pense que ma main entre-ouvre sa braguette, tandis que lui fait mine de ne point se rendre compte de ce qui lui arrive, qu'elle glisse entre ses cuisses qu'il tient serrées, et que peu à peu je vais entr'ouvrir. J'imagine son sexe qui se dresse sous ma caresse, je sens la chaleur monter dans son ventre, je sens aussi la sève qui le gonfle et qui veut sortir. Mes doigts errent distraitement du haut de sa verge jusqu'à ses testicules gonflés. Je flatte ses poils qui lui font monter de diffus frissons dans les fesses et le dos. Je le sens peu à peu qui s'agite. J'active ma caresse. Je la fais plus régulière. Il se tend. Il veut pénétrer. Mes doigts se mettent en anneau et entourent son gland que je sens lentement se mouiller. Ma caresse se fait plus insistante. Je le branle. Il ferme les yeux. Sa main se crispe sur ma cuisse. Il va décharger. Et c'est moi qui mouille à mon tour. Je sens le premier spasme et le premier jet, le liquide est chaud et poisseux, il enduit tout son membre et imprègne son linge. J'ai envie de boire. Pourquoi ne le ferais je pas, puisque cela ne dépend que de moi? Lorsque je bois je suis goulu et parfois, comme on dit aux enfants, un peu sale. Ma soif étanchée à ce suc, je reprends mes esprits. Parfois le monsieur est parti, mais vous voyez, ce n'est pas très grave. Votre. Monsieur. Vous ne vous payez pas, me dites-vous, de plaisirs imaginaires et vous préférez aux fantasmes même raffinés des rencontres plus concrètes. Celles que vous me racontez, il est vrai, relèvent parfaitement de cette catégorie. Vous ne m'épargnez aucun détail, mais je ressens à la lecture de cette description un peu de froideur peut-être est-ce pour me ramener sur Terre comme vous le prétendez? Je ne sais pas si cela sera très efficace. J'aurais même tendance à penser que certaines scènes de votre lettre risquent d'avoir pour effet de me renvoyer à mes divagations. Je ne veux pas dire que voir une femme forcée par un homme, passer sous la pression de son sexe du refus vertueux à la quête affolée du plaisir, me laisse indifférente. Mais il reste certain que la manière de l'écrire peut-être plus ou moins convaincante. J'ai moi-même demandé dans cette situation à des hommes de me défoncer. Je le leur ai crié, je les en ai suppliés, et ils l'ont fait, à mon grand délice. Mais votre lettre est à la limite de l'obscénité, ce que je ne goûte finalement pas. Tentez, s'il vous plaît, de retrouver un style plus conforme à mon attente. Je veux pouvoir m'identifier à ces femmes que vous possédez. Je veux être prise avec elles, mais je ne suis pas une simple bête à jouir. Je peux être docile à l'homme, et lui donner ce qu'il veut, ou lui laisser prendre tout ce qu'il attend. Je peux même prendre du plaisir à ce qu'il me prenne quelque chose que je ne souhaitais pas lui donner. Ma jouissance à moi peut être de le faire jouir, à condition qu'il reste de l'humain dans tout cela. Votre Monsieur. Non, non, non et non, je ne me contente pas de plaisir mièvre, et vous le savez fort bien. Exigez de moi, si vous le voulez, quelque chose de fort, et vous verrez de quoi je suis capable. J'attends de vous un ordre. Votre Monsieur, décidément, vous avez de la suite dans les idées. Il va donc falloir que je fasse ce que je vous ai refusé déjà. Mais après tout, personne ne voulait de moi que j'attendisse un ordre de vous. Je respecterai donc votre volonté mais je vous croyais plus exigeant. Votre hein. Monsieur. Il est plus difficile que je ne le pensais, même sans aucune retenue, de se mêler ainsi aux ébats d'un homme et d'une femme qui se connaissent déjà. Pourtant, vos deux amis ont tout fait pour m'aider à me joindre à eux le plus vite possible. C'est la dame qui s'est donné le plus de mal. Elle m'a déshabillée dans la pénombre d'une chambre où, sur le lit, je ne distinguais qu'une forme, celle de votre ami. Je sentais son regard attentif tandis que mes vêtements tombaient les uns après les autres sur le tapis. La femme a commencé à caresser mon dos avec beaucoup de délicatesse, soulignant de ses doigts et de ses ongles la cambrure de mes reins. Instinctivement, je tendais mes fesses pour qu'elle les prenne. Et elle n'en a rien fait, ce qui a eu pour résultat de m'exciter encore plus fort. Elle m'a poussé ensuite peu à peu vers la couche sur laquelle elle m'a fait allonger. L'homme était nu, dardant, il m'attendait. Dans le creux de l'oreille, elle m'intima l'ordre de le lécher, tout en dirigeant ma tête dont elle tenait fermement les cheveux. L'action était à la fois douce et ferme. Sous ma bouche, je l'ai senti tressaillir et s'offrir, mes mains se sont refermées sur son sexe que j'ai commencé à masser lentement. Comme tout cela était bon. Trop bon peut-être, parce qu'une fois le pas franchi, votre exigence m'a semblé un peu mièvre. En fait, de ce genre de choses, je me savais déjà capable, même si je ne l'avais pas fait. J'espère qu'au moins par ce type de relation, votre esprit sera en paix. Votre Monsieur vous avez donc jubilé, en apprenant que j'avais obéi à votre ordre et que je m'étais rendu au rendez vous que vous m'aviez imposé. Je ne vous cache pas que je ne regrette en rien votre insistance, que j'ai pris du plaisir à ce petit jeu, mais que cela ne me semble pas cependant relever des grands défis érotiques dont je vous croyais capable. Un ami me racontait l'autre jour comment il avait exigé d'une des femmes qui l'entourait d'accepter le fouet pour son simple plaisir, à condition d'être sensible à ce genre d'acte d'amour, l'exercice me semble tout de même plus intéressant. L'idée lui en était venue un soir, alors que, désœuvré, il errait dans son salon. Depuis longtemps déjà, sa maîtresse attitrée l'ennuyait, ne l'étonnait plus, et le calme qui s'était établi entre eux avait peu à peu eu pour effet de la lui rendre indifférente. Il voulut en quelque sorte la réveiller, en même temps que son désir quelque peu défaillant. Il l'arracha donc à la lecture qu'elle faisait au coin du feu alors qu'il buvait un alcool, et lui administra sans préavis une paire de claques qui la laissa effarée. Puis d'une voix nette et froide, il exigea d'elle qu'elle se dévêtît. Elle s'exécuta, tellement choquée par la situation et par la violence des actes, qu'il ne lui vint même pas à l'esprit de se rebeller. Alors, s'emparant d'une cravache accrochée au mur, il lui intima l'ordre de se mettre à genoux, de tendre ses fesses, et de se soumettre. Reprenant ses esprits, la femme voulut résister, ce qui ne fit que redoubler l'envie qu'il avait de la dominer. Il la mit donc de force dans la posture où il la voulait, et abattit sans retenue le cuir sur les reins de sa victime. Les pleurs, les gémissements, les supplications même ne faisaient que redoubler son ardeur. Il la maintenait d'une main, et la flagellait de l'autre, tant et si bien qu'elle l'implora bientôt de ne point cesser. Elle lui dit aussi qu'elle était sa chose, qu'il la possédait aujourd'hui comme il ne l'avait jamais encore fait, et que désormais elle serait pour lui une esclave docile et reconnaissante. Mon ami n'en attendait pas tant, mais l'idée de cette domination soudaine le fit longuement et puissamment jouir. Depuis, lorsque je rencontre ce couple étrange, je pense à l'intimité qui les unit, et les imagine jouant ainsi dangereusement. Je ne dis pas que vous auriez dû me soumettre à une telle épreuve, je ne crois pas que j'en serais réellement capable, mais tout de même cela me semble plus original. Votre Monsieur, la violence en amour ne semble donc pas ce qui vous intéresse le plus. Certes, celle dont je vous ai parlé la dernière fois est déjà d'un certain degré, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'elle demeure dans les limites de l'acceptable. C'est là tout au moins mon sentiment. L'ami en question, en fin de compte, a ainsi révélé à sa maîtresse la vraie nature de la relation qu'ils entretiennent. Je ne crois pas très sain de penser qu'en ce domaine la félicité réside dans l'égalité. Il s'agit bien plutôt d'assurer un équilibre où chacun trouve son compte. La chose me semble valable aussi bien dans une relation durable que dans ces passades qui nous emportent tous un jour ou l'autre. J'ai ainsi pu prendre du plaisir moralement dominée et physiquement victorieuse et parfois le contraire. Il est aussi des situations où cette inégalité devient le moteur même du désir. Quel bonheur à se faire reconnaître d'un être qui vous ignore en entrant dans son jeu et en lui apportant justement ce qu'il attend, même inconsciemment de vous et que vous avez décidé de lui donner pour votre plaisir. Je n'ai jamais balancé, lorsque cela m'a semblé nécessaire à mes fins, pour jouer un personnage qui n'était pas toujours celui qui me convenait le mieux. J'ai su être tour à tour maîtresse et servante, j'ai su harceler, ou me faire oublier, et tout cela m'a chaque fois apporté bien des satisfactions. Une fois, il est vrai, mon personnage m'a un peu échappé, et j'ai frôlé la catastrophe. J'avais décidé d'être particulièrement odieuse avec un homme dont l'attirance à mon égard n'était même pas voilée, mais qui tardait à se déclarer. Chaque fois que je l'apercevais, je faisais semblant de le fuir, de l'ignorer, ou bien d'être agacé de sa présence. Un jour que, visiblement, il avait décidé de me parler, qu'il était prêt à mettre bas les armes, je me crus maligne en étant désobligeante à son endroit. Le pauvre, dépité, disparut aussitôt, Tant il avait senti que j'avais souhaité qu'il se soustrait à ma vue. Quelques jours plus tard, intrigué de ne point le voir reparaître, je manquis de lui. On m'apprit alors qu'il se remettait lentement d'une tentative de suicide, dont la cause était un fort dépit amoureux. Je me précipitai à son domicile pour faire amende honorable, mais ma simple vue le fit à nouveau défaillir, si bien que je manquais le tuer deux fois. Votre Monsieur vous voilà bien avancé. Suzanne vous a dit que nous nous étions revus, et je ne vous en avais pas parlé Ne comprenez-vous donc point qu'elle nous provoque, et que le fait de ne servir que de boîte aux lettres l'agace un peu Avoir inventé une telle correspondance, rencontrer très souvent les protagonistes, et rester en dehors de l'affaire doit être très frustrant. Mais après tout, elle est responsable de ce qui lui arrive, et je n'y suis pour rien. J'imagine qu'elle vous a parlé de moi alors que vous la sodomisiez comme à l'habitude. Vous ai-je jamais reproché de ne pas me dire quand vous la preniez Je gagerais volontiers que vous la voyez plus souvent que moi et chaque fois de façon plus intime. La dernière fois, nous avons surtout parlé et ce n'est qu'ensuite que nous nous sommes livrés à quelques gâteries amoureuses. Elle semblait tout particulièrement intéressée par ma bouche. Elle voulait que je la lèche et la suce, ce que j'ai fait avec délice. Elle aime, m'a-t-elle dit, l'humidité, et ce n'est pas ce qui manquait en elle, ni en moi. Elle a forcé mes lèvres avec ses godes michées, qu'elle s'était préalablement introduits dans le cul. Elle paraissait prendre beaucoup de plaisir à me voir engloutir ces vies d'ébène ou d'ivoire qu'elle avait souillées. Je ne pensais pas que la pénétration buccale de ces choses inertes pouvait me conduire à l'extase, mais la façon dont elle le fit était si rude et raffinée que je lui suis reconnaissante de m'avoir fait découvrir cette petite nouveauté. J'avais toujours cru que ces instruments servaient uniquement de substitut pour les pénétrations du bas, et n'aurais jamais imaginé qu'on pût sur eux se livrer à des fellations. Il m'a manqué, bien sûr, le bon goût d'un sperme abondant et les soubresauts d'un vrai membre qui se cabre. Mais notre ami est une véritable artiste. Vous devriez lui demander de vous initier à cette pratique là. Votre? Monsieur, c'est vrai, je ne vous ai jamais décrit ma bouche, et pourtant, sans forfanterie aucune, je suis persuadé qu'elle est un des attraits majeurs de ma petite personne. Je ne me souviens pas qu'aucun de mes amants ait jamais oublié de m'en faire compliment. Il faut dire qu'elle a toujours été active pour eux, et je le crois fort experte. Alors, comment est-elle? Elle est ni trop grande, ni trop petite. Elle est juste comme il faut pour avoir l'air gourmande. Ses lèvres, à la peau translucide, sont d'un rose tendre et semblent toujours dans l'attente d'un baiser. J'ai les dents bien rangées, petites et brillantes. Comme on me l'a déjà dit, ma bouche, monsieur, est fraîche. C'est là, n'est-ce pas, un portrait qui va peut-être vous paraître bien fade, pourtant je suis certaine que si vous la connaissiez, vous la reconnaîtriez. Décrite avec une telle simplicité, elle peut sembler bien peu de choses. Rassurez-vous, il n'en est rien. Et elle s'est embrassée de toutes les manières qui se sont présentées à elle ou qu'elle a eu la fantaisie d'essayer. Ses baisers peuvent être tendres, elle s'en trouve à peine et sa langue n'est qu'une caresse douce et lente. Ils peuvent être passionnés, affolés par le désir, goulus et toujours inassouvis. Lassif, il la transforme en un sexe ouvert, à prendre, à forcer et à combler. Pendant l'amour, elle est toujours là, j'en joue et je m'en sers. C'est aussi de ses lèvres que jaillissent mes cris de plaisir ou mes râles d'abandon. C'est elle qui chuchote les petits mots que je glisse à l'oreille de ceux que j'aime et que j'excite ainsi. Lorsqu'on sait combien de bouches sèches, maladroites, de langue gauche et sans ardeur, le Seigneur a créé, on est dans mon cas fort heureuse du sort qui nous a été réservé. Je ne pense donc pas que la bouche ne soit qu'un appât parmi d'autres. Elle est bien plus que cela. Elle peut élire ou condamner n'importe quel visage. Je me suis souvent prise dans quelques rêves orientaux à imaginer les lèvres cachées par les voiles des femmes là-bas. À penser combien les hommes, frustrés de ce spectacle enchanteur, devaient désirer découvrir dans la fraîcheur nocturne d'un jardin fleurant bon l'oranger, la bouche de la bien-aimée. Nous autres ici, nous avons l'impudeur de lui laisser tout dire, tout révéler, il faut peut-être le regretter. Votre. Monsieur, en vous parlant de l'Orient, J'aurais donc réveillé en vous des souvenirs auxquels vous êtes très sensible. Mais il s'agit, me dites-vous, d'un Orient plus lointain, fait d'yeux bridés, de silhouettes frêles et de cheveux de jet. Cet Orient-là, je ne le connais pas, et cela sans regret. Ces hommes ne semblent pas y avoir la virilité que j'aime, je les veux plus noueux et plus bruts. Mais peut-être, après ce que vous m'avez écrit de certains de vos penchants, est-ce comme cela que vous, vous les aimez Quant aux femmes, elles manquent aussi de forme, et leur abord me semble empreint d'une certaine froideur. Alors, bien sûr, il reste ce que vous appelez le raffinement. Comme si toute une civilisation s'était ordonnée autour des choses de l'amour. Je crains, hélas, que vous ne soyez victime d'un certain exotisme, et que les mille figures que ces gens-là sont censés savoir faire, et qu'ils inscrivent, il est vrai, dans beaucoup de leurs livres, ne relèvent pour leur part de la mythologie. Je comprends bien que toutes ces contorsions puissent faire rêver, mais croyez vous que cela soit bien nécessaire pour atteindre au plus grand des plaisirs? Combien de fois un lent mouvement, simple et discret, d'un homme qui me pénétrait, m'a fait monter au ciel. Tout se passait en moi, mon esprit chavirait, et seul le rythme accéléré de nos deux souffles mêlés marquait la progression de notre rencontre. Je crains, à bien y réfléchir, que vous ne regrettiez en fait les pratiques de quelques taïr, comme on en rencontre d'ailleurs partout, et qui, ayant assouvi tous vos désirs, en y ajoutant des chinoiseries, auraient laissé dans votre âme l'empreinte d'une autre civilisation. Peut-être m'allez vous reprocher de rabaisser outrageusement cette expérience originale. Ne m'en veuillez pas, en l'occurrence, je ne manifeste là que mon extrême méfiance à l'égard de toute une imagerie qui envahit depuis un certain temps notre littérature. Ayant décidé de vivre ici et vivante en ce temps, je ne veux pas loucher vers quelque hypothétique mirage. Il y va des réalisations tangibles auxquelles je m'attache. Votre. Monsieur, quel courroux! Je n'ai donc pas le droit d'écrire ce que je veux. Et il faudrait peut-être, pour vous plaire, que j'acquiesce sans broncher à toutes vos affirmations, que je partage avec vous sans réserve vos engouements et vos tocades, que je considère enfin vos souvenirs comme choses sacrées Eh bien, sachez, monsieur, que je me fais une religion de ne rien laisser à l'abri de la critique, et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'amour. C'est comme cela que j'en suis aujourd'hui à écrire à un monsieur que je ne connais pas des choses que je n'oserais, hélas, jamais dire de vive voix aux plus intimes de mes proches. C'est comme cela que je me livre, dès que je le puis, aux expériences cabreuses qui se présentent à moi, alors que j'avais été élevée pour être bonne épouse et bonne mère. La nature m'a préservé heureusement de la maternité, et l'hymen ne me pèse guère, n'étant pas engoncée dans d'étroites conventions. Je jouis, oui, je jouis de ma liberté. Et cette liberté, je l'ai construite jour après jour, en ayant d'abord en tête l'irrespect. Respectueuse de l'ordre qui m'avait été imposé, je serais resté sans vie. Et toutes les joies, même éphémères, que me procurent l'amour et mes petites aventures, me seraient inconnues. La première fois que j'ai décidé d'avoir un homme, il m'a fallu d'abord combattre l'idée que c'était à lui d'agir. J'aurais pu me contenter de la guicher mais mon plaisir n'était pas là je voulais exprimer le plus clairement du monde que je le voulais. Nous étions seuls dans un salon, attendant je ne sais quoi, assis sur un même sofa. Alors qu'il me regardait, je décidai d'abattre ma main sur sa cuisse dans un geste que je ne pouvais pas retenir. Il fut saisi, ne bougea pas, et j'eus le bonheur de sentir son sexe enflé sous ma pression. Il me voulait peut-être déjà, mais je l'avais devancé. C'était moi qui avais fait l'acte premier. Il comprit d'ailleurs tout de suite qu'il suffisait de se laisser faire, et que je prenais tout sur moi. Il n'eut pas, je crois, à le regretter. Ma main glissa sous ses vêtements, et se mit à pétrir son membre. Il l'avait long et lourd, le gland largement dégagé était chaud comme un volcan prêt à cracher. Après l'avoir sorti, je l'embouchai sans vergogne comme si c'était l'acte le plus naturel du monde, et, tandis qu'il geignait et se cabrait, je le pompais avec entrain. Le foutre ne tarda pas à jaillir, que j'avalais par grande lampée. Cette action me procura un plaisir presque aussi grand que si j'avais été prise longuement et caressée sans fin. Je n'avais pas mis à le sucer tout le soin que je peux mettre parfois, mais quelle prise de possession J'avais fait à quelqu'un, comme cela, sans ciller, quelque chose que certaines femmes ne font pas, même suppliées par l'homme dont elles partagent chaque soir la couche. J'espère que ce que je viens de vous écrire vous éclairera, ne serait ce qu'un peu, sur cette liberté là. Votre Monsieur Le souvenir de ma première fellation, dites vous? Pourquoi pas? Il est vrai que c'est là une expérience originale et peut être aussi marquante que le premier véritable coït. En ce qui me concerne, cette première expérience fut plutôt une épreuve. Je n'avais pas vingt ans, et l'homme que je fréquentais ne m'avait pas encore vraiment prise. Il me pelotait souvent, caressait ma gorge, et me troussait. Ses mains me parcouraient, répandant sur leur passage les mois et les frissons. Hélas, rien ne venait jamais d'où j'espérais, et son sexe ne participait guère à nos ébats. J'étais encore trop jeune pour oser de moi-même un geste en ce sens, car jusqu'alors mes différents partenaires avaient guidé ma main vers cet endroit, sans que j'aie jamais eu à m'y engager de mon propre chef. Un jour donc, je crus que nous allions conclure, lorsqu'il se déboutonna et sortit un sexe dont les intentions étaient absolument sans ambiguïté. Je m'apprêtais moralement à le recevoir en moi, enfin, lorsqu'il prit mon visage entre ses deux mains, me regarda d'un air bouleversé, et me força lentement mais fermement vers son membre. Figurez-vous que j'ignorais jusqu'à l'existence de cette pratique. J'acceptai donc, non sans quelque surprise, de lui prodiguer quelques baisers, mais qui de toute évidence ne le satisfirent point. Il prit donc sa verge dans sa main et me l'enfourna d'autorité tout en obligeant ma tête à entamer un mouvement de va-et-vient. Mes débuts durent être maladroits, mais très vite je continuai de moi-même la succion. Le manège dura longtemps, très longtemps. Je m'aidai de mes mains, caressai la base de la hampe et ses testicules, jusqu'à ce qu'à ma grande surprise, je sentis ce qu'il débandait. Tous mes efforts n'y firent rien, et le problème, je le crois, n'était pas vraiment de mon ressort. Ce n'est que bien plus tard, mais peut-être vous le raconterai-je une autre fois, que je sus ce qu'il fallait faire pour qu'il jouisse. Vous voyez bien que ce souvenir là n'a rien d'exaltant, bien au contraire, et vous conviendrez qu'il manquait à cette première expérience et la spontanéité et la réussite. Vous vous attendiez peut-être à quelque chose de plus flamboyant. J'aurais, croyez-moi, préféré qu'il en fût ainsi. Votre Monsieur. Vous est il déjà arrivé de désirer construire? J'entends, bien sûr, dans le domaine qui nous occupe, je ne nie pas que les petits plaisirs passagers et, en quelque sorte, volés autant que l'on peut glaner ici ou là soient d'une grande importance, et je serai d'ailleurs la dernière à les négliger. Vous avez dû, sans doute, depuis le temps que dure notre correspondance, vous en rendre compte. Mais voyez-vous, j'ai souvent le sentiment qu'à découvrir un autre, seule la découverte compte, et la conquête aussi. Mais les gestes, pour la première fois faits entre un homme et une femme, sont hélas à de rares exceptions près empreints de gêne, d'hésitation et pour tout dire de maladresse. Il faut à mon avis à cet exercice là comme à bien d'autres de la répétition. Figurez vous que pour cela j'ai jeté mon dévolu sur un monsieur que notre amie Suzanne m'a présenté et dont la disponibilité tout au moins apparente me semble être le bon point de départ pour une relation plus suivie que celle que j'ai connue jusqu'à présent. Il n'y est évidemment pas question de sentiment, encore que la tendresse, mais c'est une autre histoire. À ce jeu-là, j'ai eu la nouveauté, la conquête, et maintenant, je veux construire. La conquête n'a pas été bien difficile. Au premier coup d'œil, nous avons compris l'un et l'autre qu'il y avait ce petit quelque chose d'indéfinissable qui nous rapprochait. Et qui indiquait bien que quelques gestes seulement restaient à faire pour que l'affaire s'engageât. Suzanne, merveilleuse entremetteuse, sut s'effacer lorsque cela fut nécessaire. Nous eûmes quelques échanges furtifs, des mains qui se frôlent, des regards qui se fouillent et se caressent. Il proposa de me raccompagner chez moi, ce qui était tout naturel d'un galant homme. Je l'invitai à me tenir compagnie, et nous gravîmes ensemble les marches qui mènent à mon logis. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes, face à face, sans grand chose à nous dire, sinon que nous avions envie l'un de l'autre, et comme il n'y avait aucune raison que nous nous refusâmes ce plaisir, mon lit ne tarda pas à nous accueillir. Tout d'abord, il sut me déshabiller. Je l'indique parce que c'est très précieux, et que les hommes font rarement preuve dans ce cas-là, tout au moins, de beaucoup d'aptitude. On peut en effet accomplir cette tâche comme le ferait une femme de chambre avec style et efficacité. On peut aussi se jeter sur la personne et lui arracher son vêtement, mais la brutalité du geste correspond à un autre plaisir. Le plus dur, voyez-vous, c'est l'effeuillage. Il faut savoir choisir l'ordre et opérer sans à-coups. Il faut montrer à l'autre, étape après étape, où l'on veut en venir et surtout n'aller jamais droit au fait. Il faut parvenir à cette sensibilité-là, que votre partenaire espère à perdre un à un chacun de ses vêtements ou de ses dessous, et que cette perte-là soit pour lui déjà un intense bonheur. À me faire dénuder ainsi, j'appris peu à peu que le monsieur était un grand maître de la caresse. Il a un art d'effleurer votre peau sans en avoir l'air, qui m'a mise hors de moi. Il s'y prit si bien avec mes seins que je les tendis vers lui pour qu'il aille au-delà du simple frôlement. Mais l'affreux, qui avait fort bien compris mon état, les délaissa et s'attacha à mes épaules et à ma nuque. Il découvrait ainsi la géographie érotique de ma peau. Je ne me contenais plus. Je voulus à mon tour agir et porter ma main entre ses jambes. Il eut la force d'âme pour lui et la cruauté pour moi de se dérober. Je dus me contenter de m'agripper à son bras bien que je sentisse parfois contre moi un sexe érigé et dur. Ah. Combien j'aurais voulu qu'il allât plus vite et qu'il brûlât les étapes. Je me sentais ouverte et humide. Et lui qui semblait ne point s'en aviser, quel atroce plaisir. Je n'étais plus qu'une béance qu'il fallait combler. Lorsqu'il daigna me machiner de ses doigts, c'était d'autre chose que j'avais le désir. Ah. Quel art à être toujours en retard d'un désir sur celui de l'autre. Il enfonça un doigt, puis deux, et fit même mine de vouloir y introduire son poing entier. Hélas j'étais trop étroite, mais la déchirure que je redoutais à une telle pénétration, je la souhaitais aussi. Je lui criais qu'il essayât encore, tandis que son autre main s'acharnait de l'autre côté à défoncer aussi mon cul. On eût dit qu'il voulait me détruire et transformer mes deux trous en un seul il s'y prit avec tant d'acharnement, et me besogna tellement que je déchargeai dans un immense cri de douleur, sans trop savoir si c'était mon cul ou mon con qui me transformait ainsi en une bête soumise. Il ne me baisa point, et je ne sais même pas s'il s'est répandu. Seul son regard disait combien il était comblé de cette rencontre si intense. Nous sommes convenus de nous revoir très vite pour aller au delà. Ce sera certainement difficile, mais dans cette construction, il nous reste tellement à faire. Votre Monsieur. Nous nous sommes revus. Il avait souhaité que cela se passât chez lui. J'ai accepté cela ne pouvait rajouter qu'un peu de dépaysement supplémentaire à mon aventure. Je n'ai d'ailleurs été nullement déçu. Le lieu où il m'a reçu a sans doute été aménagé en grande partie pour y recevoir des dames. Je me demandais, vous vous en doutez, Comment aller reprendre nos ébats? Il ne m'a guère laissé le loisir de m'interroger sur ce point. À peine eut-il refermé la porte derrière moi qu'il plongea la main sous ma jupe, tandis qu'il fouillait ma bouche de la langue en un long baiser possessif. Coincé contre le mur, je tentai d'écarter au mieux mes cuisses pour qu'il pût m'ouvrir. En fait, c'est mon cul qu'il voulait, et il lut tout de suite. Il y mit son doigt le plus profond possible. Son autre main s'était emparée de mes seins, et leur caresse allait de la douceur la plus grande aux limites de la violence. Je n'avais pas fait un pas dans cette demeure que j'étais déjà prise. Il fit tomber ma culotte, cambra mes reins d'une puissante poussée, s'agenouilla et enfonça sa langue dans mon anus tandis qu'il écartait mes fesses. Je sentais ses dents qui me mangeaient presque et sa salive qui coulait entre mes cuisses. Il n'avait même pas approché mon sexe, dont il semblait avoir oublié jusqu'à l'existence. Ses mains massaient mes reins et s'agrippaient à mes hanches, comme pour mieux assurer la position dans laquelle il me voulait. Il se releva brusquement, et je sentis un membre brandi entre ses mains qui s'apprêtait à m'enculer. Instinctivement, je voulus me refermer à cette pénétration, mais il me maintint fermement. Mon cul humide reçut sa bite énorme si profondément que je sentais ses couilles se frotter à mes fesses. Je me suis mis à les caresser entre mes jambes. Elles étaient poilues et gonflées, pleines de foutre qu'il ne tarda pas à faire gicler en moi. Je jouis en même temps que lui, sous la brutalité de son plaisir. Ma tête, penchée vers le sol, tournait un peu. J'étais comme saoul ou drogué. Quand il se fut assouvi, il me proposa de manière très civile de boire quelque chose. J'acceptai et après quelques minutes, nous prîmes congé l'un de l'autre, pour nous revoir bientôt. Votre Monsieur. C'est de nouveau chez lui que nous nous sommes retrouvés. Il était toujours aussi civil et aussi empressé. Il me veut, je le sens, soumise, offerte, et consentante à toutes ses fantaisies. Une fois de plus, il ne m'a pas beaucoup laissé le temps de décider de l'attitude à adopter. Il m'a déshabillé avec autant d'art et de doigté que la première fois. J'en jouissais déjà, et lorsqu'il m'eut couché sur son lit, j'écartais de moi-même mes jambes pour lui offrir mon sexe dont il ne semblait guère faire de cas. Je lui en ai fait don. Il palpitait d'envie et je prenais un plaisir sans limite à être ainsi impudique en lui montrant combien j'étais prête à le recevoir. J'avais faim de lui, mais lui ne semblait pas vouloir m'assouvir aussitôt. Il enfonça son doigt à la commissure de mes lèvres et caressa lentement par de légères pressions cet endroit si sensible. Au bout de quelques minutes, je n'y tenais plus, au bord de la jouissance ultime, quand il me retourna sur le ventre. Je sentis bien vite qu'il me fouillait de son sexe sans savoir vraiment encore comment il allait me prendre. Puis, brusquement, il m'encula. Je poussai un cri de surprise et de douleur tant il m'avait écartelé. Il était si profond en moi que je le sentais jusque dans mon ventre. J'attendais qu'il s'excitât sur moi, mais contre toute attente, il se retira aussitôt pour m'ouvrir à nouveau, aussi puissamment. Il recommença ainsi plusieurs fois, mon cul était en feu et je le suppliais de me foutre enfin. J'avais besoin de sentir son liquide expulsé en moi, mais comme à plaisir, il n'en fit rien. Après cette charge si rude, il me caressa les épaules et le dos suça mes oreilles et mon cou. Je le sentais lourd sur moi, mais chacun de mes muscles se détendait. J'étais rompu, n'attendant plus que ses initiatives. Elles ne tardèrent d'ailleurs pas à venir, et comme s'il voulait me récompenser de m'être ainsi soumise à lui, il pénétra enfin mon sexe, tandis que ses lèvres enveloppaient les miennes en un baiser profond. Une chaleur étrange envahit mes reins, tandis qu'il allait et venait en moi. Mon sexe se contracta tout à coup, et je sentis qu'il éjaculait un sperme dense et abondant qui inondait mon con. Nos souffles se mêlaient, nos épidermes se mouillaient, je le sentais coller à moi. Je jouis encore à la simple évocation de ce moment sublime, et regrette de n'être point à l'instant même prise sous lui. Il m'a beaucoup donné, mais je le veux encore. Je sens en effet que rencontre après rencontre, la petite construction que je m'étais promise prend tournure, et qu'il faut en retirer le plus grand bénéfice. Votre hein Monsieur. Ah, quelle surprise Aurais-je dû m'y attendre Je ne le sais. En tout cas, j'en suis encore tout interdite. Imaginez un peu ma stupéfaction lorsque le monsieur, que j'avais laissé encore avec tant de désir au ventre, a décidé, sans m'en aviser bien sûr, de changer de registre. Et radicalement. Je sonnais donc chez lui. C'est une main ferme qui m'entraîna à l'intérieur. Elle avait quelque chose d'impératif, de dur elle ne pouvait être que sans réplique, et je ne songeais même pas à résister tant son autorité était évidente. Mais aussitôt deux soufflets violents sur le visage m'étourdirent, tandis qu'il me jetait à terre. On eût dit qu'il écumait de rage tant sa force était inouïe. En fait, son visage était impassible, seuls peut-être ses yeux, intenses et profonds, indiquaient son état d'excitation. Je suffoquais de douleur, de honte et de haine, me débattis, mais il était le plus fort. Au milieu du désordre de mes vêtements, il réussit à me trousser, dénuda mes fesses qu'il se mit à martyriser. Je me rebellais, il me cingla d'une badine si fine qu'on eût dit des coups de rasoir. Il en enfonça le manche dans mon cul, sans ménagement. Il n'avait encore dit aucun mot, intimé aucun ordre, et si je m'étais débattu, je n'en avais pas pour autant protesté. J'étais sa chose, et je m'étonnais moi-même d'accepter d'être ainsi malmené. Le jeu était d'autant plus inégal qu'il en avait fixé seul les règles et que je ne savais pas jusqu'où il voulait en venir. Il m'a attaché au barreau de son lit, m'a encore fouetté et caloté, il m'a pénétré de toutes les manières possibles, il s'est branlé sur moi, inondant mon visage de foutre. Quel douloureux délire! J'étais prise entre l'envie de me révolter et la volonté de m'avilir encore, à laquelle je trouvais tout à coup une saveur intense. Pour couronner le tout, alors qu'il se vautrait sur moi, il m'a copieusement insulté, et une fois de plus, je n'ai pas répliqué. Son sexe, qu'il promenait sur mon visage, me donnait des désirs de succion et des envies de vomir, mais la dépravation dans laquelle il m'avait si soudainement jeté, m'a finalement fait jouir à un point tel que je m'entendis dire que je lui étais soumise, que j'étais une esclave indigne de lui et qu'il pouvait tout exiger de moi. Ma soumission eut pour effet immédiat de redoubler sa fureur. On eût dit que l'idée même de donner mon accord à ce qu'il me faisait subir était encore une manifestation trop grande de ma liberté. Il voulait la prendre, il ne consentait pas à ce que je la lui donne, et cela aussi me fit du bien. Je suis ressorti de ce rendez-vous dans le trouble le plus grand, vous vous en doutez. Il m'a prié galamment de venir au plus tôt. Je ne sais encore ce que je vais faire. Donnez-moi du courage. Votre Monsieur, comme vous y allez, je dois y retourner, car j'aurais tort de ne pas pousser jusqu'à son terme une expérience aussi riche. Ne comprenez-vous donc point que j'ai peur aussi de m'y perdre que deviendrais-je si tout à coup je ne goûtais plus que ce plaisir-là? Comment garder la tête froide? Comment demeurer indépendante alors que c'est la dépendance qui vous obsède? Soit, je l'avoue, mais vous l'avais-je réellement caché? J'ai pris un plaisir neuf et prodigieux à ce qui m'est arrivé. Mais dois-je aller au-delà? N'ai-je pas quelque raison de craindre d'avoir à rechercher des plaisirs encore plus durs? Jusqu'où ma vie lirais-je? Pour vous, bien sûr, tout cela n'est qu'un divertissant spectacle, et vous ne courez pas grand risque. Pourrais je penser de nouveau au plaisir simple de lèvres effleurant mes seins, ou d'une main caressant mon poignet? Je ne veux pas perdre tout cela. Dieu fasse que je ne sois pas allé trop loin. Votre Monsieur. Vous pouvez être heureux, j'ai succombé, j'y suis retourné. J'ai sonné, il m'a ouvert et m'a fait entrer avec une grande douceur, empreinte de courtoisie. Il m'a lentement attiré vers le lit après m'avoir longuement caressé. Il me traitait comme un objet extrêmement précieux qu'il eût craint de briser. Il m'a déshabillé avec tout l'art dont il avait déjà su faire preuve et qui m'avait comblé. Ses mains erraient sur mon corps à la recherche de plaisirs rares enfouis au fond de moi et qu'il voulait me donner. Je sentais en lui une retenue presque religieuse, et il me remplissait d'un bonheur très plein que seuls les hommes que j'ai aimés m'avaient donné jusqu'alors. Je ressentais un immense besoin d'abandon et ne me retins pas. Il sut ainsi combien tout ce qu'il me faisait vivre avait de valeur pour moi. Je jouis plusieurs fois, atteignant à chaque fois des sommets que je ne puis décrire. Il s'est alors passé quelque chose d'extravagant au milieu de ce plaisir si rare. Je lui ai demandé, doucement, comme une grâce que lui seul pouvait m'accorder, de me faire mal. Il n'eut pas l'air de relever l'insolite de ma prière, se leva avec grand calme, alla chercher des liens pour Marie-Méroulie. Les sangles qui retenaient mes épaules et mes chevilles faisaient saillir mes seins et bomber mon sexe gorgé de désir. Il fit tout cela avec une minutie extrême. Seuls les liens légèrement trop serrés me rappelaient qu'il m'allait faire souffrir. Ses mains s'emparèrent de ma chair qu'elle semblait vouloir déchirer. J'attendais avec effroi qu'il me mit réellement en lambeaux. Oh que ne m'a-t-il écorché Sabadine s'abattit, fine et précise, striant de rouge la chair fine et tendre de mes cuisses, la brûlure m'arrachait des cris, et je me tendais pour qu'émander une nouvelle morsure. La lenteur affectée de ses gestes me laissait à chaque fois le temps de jouir de la violence que je venais de subir et d'attendre la suivante que je recevais avec reconnaissance. Quel amour n'y avait-il pas dans chacun de ses gestes? Il m'a rompu ainsi durant de longs moments que je n'ai pas vu passer, balloté au gré de ses pulsions sans cesse renouvelées. J'en suis sûr maintenant, il me sera difficile de m'éloigner de lui et les autres plaisirs, glanés ici ou là, me sembleront à coup sûr un peu fades. Rentré chez moi, je me suis immédiatement retiré dans ma chambre pour revoir en pensée cet après-midi divin. Je me suis longuement caressé, mais je l'ai bien observé, seuls les moments les plus durs ont eu le pouvoir de m'émouvoir à nouveau. Qui puis-je Pour le moment, certainement rien, si même j'avais envie d'y changer quelque chose. Je suis faible et j'ai désormais besoin de chaînes. Votre Monsieur, vous avez bien fait de me rappeler à la raison. Je me laisse certainement emporter un peu trop par ce plaisir nouveau dont je ne soupçonne pas les limites. Mais que voulez-vous C'est l'un des traits de mon caractère que de vouloir toujours découvrir. Et là, la chose est tellement forte que j'en suis tout impressionné. Je croyais, je l'avoue, jusque à récemment avoir à peu près fait le tour des plaisirs, y compris des interdits. Tout à coup, je découvre un continent immense à explorer et à conquérir. Est-ce vraiment une faiblesse que de se lancer ainsi à l'aventure quand tout vous y pousse Mais j'ai bien réfléchi à votre lettre et je souscris à vos conseils. Je ne me laisserai pas aliéner. Un plaisir, oui. Une drogue, non. Et ce n'est pas de la morale. Votre. Monsieur, mes belles résolutions n'ont hélas guère tenu très longtemps, et, comme pour une maladie, j'ai rechuté. Je l'ai revu et me suis soumise aussitôt. Il a pu faire de moi ce qu'il voulait. Je l'ai même supplié d'aller plus loin. Il m'avait pourtant déjà passablement malmené il m'avait sodomisé violemment. Et, je crois vous l'avoir écrit, cela m'avait rempli de joie. Il est allé plus fort à tel point qu'il m'a déchiré. Quelques gouttes de sang ont coulé le long de mes cuisses. J'ai pleuré en les voyant. C'était comme une défloration. Lui, il a léché ce sang qu'il avait arraché à la force de son sexe, et j'ai senti qu'il y avait désormais entre lui et moi un lien magique. La douleur de cette blessure ne m'a pas empêché de crier de plaisir lorsqu'il m'a pénétré le con, et s'y est répandu. Son membre se cabrait en moi, butait au fond, taraudait mon vagin. J'étais pleine de lui. Après cela, il a su encore me refaire jouir avec beaucoup de discrétion. Il m'a prié de me coucher sur le ventre, et s'est mis à me masser lentement. Il a commencé par la plante de mes pieds, et m'a procuré de violents frissons. Il est remonté progressivement jusqu'à mes fesses qu'il a écartées. La langue est venue me mouiller avec une infinie douceur sa salive était fraîche et apaisait les feux que je sentais à l'intérieur de moi il effleura mes hanches remonta le long de mon dos tandis que son sexe s'immisçait entre mes fesses frôlait ma colonne vertébrale et venait énerver ma nuque et mes oreilles il prit alors mon visage entre ses mains imposa à ma bouche son gland brûlant que mes lèvres appèrent aussitôt il s'enfonça profondément aux limites du possible je sentais ses testicules buter contre mon menton je les agrippais, transformant mes ongles en griffes, jouissant de ces rondeurs gonflées que je pouvais comprimer et que j'allais vider. Je sentis qu'il se tendait tout à coup de tout son être et reçus une incroyable décharge de sperme au fond de ma gorge. J'avais à peine dégluti qu'une seconde m'inonda. Les suivantes débordaient de mes lèvres. Tout cela coulait et mouillait, et ses couilles et mon cou, puis mes seins. Son ventre écrasait mon visage. J'ai tout fait plaisir, il m'a laissé pente lente, suffoquer, mais le corps assouvi. Votre Monsieur, me changer les idées, certes, je crois qu'il serait bon qu'il en fût ainsi. Hélas, voyez-vous, je ne suis pas libre de guider mes envies ou de baïonner les appels de mon corps. Avoir décidé d'aller où bon me semble, comportait quelques dangers dont je suis parfaitement consciente. Et j'ai choisi d'en courir le risque. Mon aventure avec le monsieur, rassurez-vous, ne met pas un point final à tous mes autres désirs, loin de là, et je saurai veiller à ne point y perdre trop. Dès aujourd'hui, j'ai résolu de faire quelques actes de diversion qui me remettront dans un équilibre plus grand. J'ai des idées là-dessus, et vous les dirai bientôt. Je vous l'ai déjà dit, les sollicitations ne manquent pas, et je l'ai vécu. Un simple geste de moi suffit parfois à les faire tomber à mes pieds. Ils sont au moins trois ou quatre à être comme cela. Je ne sais encore lequel choisir. L'un semble consumé de l'intérieur par les regards étranges qu'il vous lance à la dérobée l'autre, doux et cérémonieux, doit caresser à merveille un autre enfin joue la distance, l'indifférence, voire le dédain. Chacun doit avoir sa manière bien à lui de vous faire l'amour, mon seul problème, voyez-vous, est de savoir par lequel commencer. L'art des vins voudrait que je choisisse le plus doux, pour continuer par l'ardent, et finir par celui qui me semble le plus rude. Cela suppose bien sûr que je me fie aux apparences, et qu'aucun d'entre eux ne se donne pour ce qu'il n'est point. À choisir ainsi de jouer la série, on invente un autre jeu, même si l'on n'a pas une âme de collectionneur. Ce triple intermède me sera certainement une diversion suffisante pour ne pas dépendre seulement de ma délicieuse liaison d'aujourd'hui. VOTRE Monsieur. J'ai donc commencé mes manœuvres auprès du numéro un. De fait, ce qui domine en lui est la douceur et le respect d'autrui. Il a une manière inimitable de s'approcher de vous et de vous faire sentir son désir sans pour autant vous l'imposer. Son attitude est une lente caresse. Je pense cependant, et pour les raisons que je viens de vous dire, qu'il ne me brusquera point et qu'il serait maladroit de ma part de vouloir brûler les étapes. J'ai donc amorcé une entreprise d'encerclement. Je suis là, l'enveloppe, et tente de l'obséder sans qu'à aucun moment mes gestes, mes propos ou mes paroles n'indiquent clairement où je veux en venir. Le monsieur a besoin de douter de l'issue du combat pour pouvoir l'entreprendre. Afficher auprès de lui une trop grande disponibilité lui ferait perdre beaucoup de ses moyens, et c'est ce qui, pour le moment, fait à mes yeux son charme l'hésitation. Mais quel art dans l'hésitation. Un regard qui n'ose s'affirmer, une phrase esquissée, un demi sourire sont autant de demi pas vers une rencontre qui devient inéluctable. On dirait en plus qu'il est toujours prêt à battre en retraite. Cela n'en est que plus délicieux il me faudrait pour peser ses gestes et les miens une balance d'apothicaire. Malgré tout cela, notre dernière rencontre a permis d'avancer les choses. Il m'a dit qu'il souhaitait me voir plus souvent, et pas dans ces concours de foule qui caractérisent les soirées en ville. Pour s'exercer, son talent tout en demi teinte a besoin de tête à tête, de silence, et de l'isolement d'un salon douillet. J'aime cela aussi et je ne vois vraiment pas pourquoi je le lui refuserai. Je ne lui donnerai pas d'un seul coup, il lui faudra mériter ce qu'il croit être un privilège. Je lui ménagerai ainsi de petites victoires successives qui justifieront à ses yeux la conquête finale où, je l'espère, il donnera toute sa mesure. Vous devez me trouver de plus en plus calculatrice, et c'est ma foi vrai, mais j'y trouve un amusement véritable, ce qui ne fait qu'accroître l'envie que j'ai d'aboutir à mes fins. Votre. Monsieur, l'aurais-je effarouché? Je ne sais pas. J'ai cependant le sentiment d'avoir été plus vite que la musique. Il s'est un peu rétracté, mais rien n'est perdu. Il était venu, à sa demande, me rendre visite, et j'ai le reçu avec la réserve qui m'a semblé convenir. Je lui ai offert ma main, qu'il a baisé une seconde de trop, en y pressant les lèvres au delà du simple salut. Il s'est assis, je me suis mise à son côté, il m'a parlé, je l'ai écouté. Quelle harmonie parfaite dans cette mise en scène. Il m'a dit qu'il me devait un aveu, je lui ai répondu que je n'acceptais de lui qu'un aveu qu'une femme honnête pût entendre. Il s'y est engagé, je lui ai montré que je pouvais l'interrompre dès lors qu'il me semblerait dépasser la bienséance. Il en est resté là où je le souhaitais. Mon image, m'a-t-il dit, ne le quittait point mon visage sans cesse s'imposait à lui, rien désormais ne semblait avoir de saveur hors de ma présence. Il se savait indigne de moi, je pouvais le rejeter à tout instant, il souffrirait mais comprendrait. J'ai voulu le réconforter et l'engager à pousser plus avant, tant j'étais curieuse de connaître la suite, et lui ai manifesté par quelques mines et par quelques soupirs consentants que je n'étais nullement indifférente à ses paroles. Peut-être ai-je trop vite montré que j'étais prête à lui céder, et je crois qu'il en a été choqué. Il m'a dit qu'il ne voulait point profiter de la bonté que j'avais eue de le recevoir, il s'est levé, il est parti. J'avoue ne pas savoir comment m'y prendre à l'avenir avec lui. Je le veux, je le prendrai, mais je veux exploiter en lui ce qu'il a d'original. Ces gens-là sont décidément plus difficiles à manœuvrer que les mâles conquérants que je m'offre de temps en temps je crois qu'il va me falloir jouer très serré, d'autant plus que ma série attend, et que je ne puis guère consacrer trop de temps à chacun d'entre eux. Je le revois bientôt, j'exercerai tout mon esprit à faire évoluer la situation dans le sens que je souhaite. Votre Monsieur. La tâche n'a pas été aussi ardue que je le craignais. Peut-être se joue t-il d'ailleurs à lui même le rôle que je lui prêtais, et peut-il céder aux attaques plus franches? Il faut dire que c'est là la tactique que j'ai adoptée, et cela a marché. Il est donc revenu, m'a entouré de son attention émue, est resté en retrait, n'avançant ses pions qu'un à un, et avec une précaution extrême. Il ne savait que dire, puisque la suite logique de notre entrevue précédente devait produire soit un renoncement auquel ni l'un ni l'autre ne songeait, ou bien un bond dans l'aventure dont aucun de nous ne voulait prendre l'initiative. Il a donc fallu une fois de plus que je me montre disponible. Citadelle à prendre, soulagé après un siège d'être enfin fixé sur son sort, ma main s'est égarée du côté de la sienne. Il la pressait, son regard perdu devant lui, son souffle rapide comme s'il se fût agi d'une transgression fatale. Je me suis rapproché de lui. J'ai senti la chaleur de son corps, je me suis laissé aller. C'était à celui de nous deux qui montrerait à l'autre combien il était victime, à son âme défendant, des excès de ses sens. Nous n'acceptions pas si facilement de nous donner l'un à l'autre, c'était comme une fatalité. Ah. La fatalité. Que ne nous a-t-elle pas permis Puisque nos sens disposaient ainsi de nous, et qu'il n'y avait plus rien à perdre, autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est enfin notre conscience malheureuse qui a fait notre bonheur. C'est la faiblesse de la chair qui lui a permis de glisser sa main sous ma robe, de me caresser d'abord à la dérobée, ensuite avec une présence d'esprit qui ne relevait d'aucune défaillance. Il avait un savoir-faire qui montrait bien qu'en dépit de ses mines, il ne se contentait pas de pratiques solitaires. Il ne m'a pourtant point pénétré ni par devant ni par derrière. Il a soulevé les volants de ma robe, ainsi que mon jupon, et s'est affairé de la bouche et des mains sur mon sexe ouvert et humide. Après avoir excité mon clitoris à un point tel que je ne retenais pas mes cris de jouissance et que j'avais du mal à tenir en place, il a fait sa langue longue, grosse et dure, et m'a enfoncé comme il eût pu le faire avec un membre. Je la sentais profonde en moi, et mouillée et agile. J'imaginais les papilles frottant à mon vagin comme un instrument râpeux et je déchargeais sans cesse sentant bien qu'il buvait mon liquide. Il ouvrit mon cul de ses doigts qu'il avait humectés dans sa bouche et dans mon con. Les pénétrations étaient si prenantes que je n'espérais rien d'autre qu'une bonne jouissance, un peu égoïste, dans sa bouche. Eh bien, il me l'a offerte. Il a dû sentir mon sexe se contracter sur sa langue, il a dû sentir mon cul se refermer sur ses doigts enfoncés. Je l'entendais qui grognait tandis que le plaisir m'emportait et que je me tendais pour être mieux prise. Il m'a ainsi léché, sucé, gobé avec grand soin, longtemps et longtemps. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il s'est senti rassasié, et il lui en a fallu. Je n'ai pu m'empêcher de coller mes lèvres aux siennes pour le remercier de cet immense bonheur qu'il m'avait donné et dans lequel je m'étais contentée de me laisser aller. Sa bouche sentait tous les sucs de l'amour, et j'eus à mon tour la sensation de baiser un sexe humide de femme dans lequel ma langue pouvait pénétrer à plaisir. Ma main s'est emparée de son sexe et l'a branlée à travers l'étoffe qui s'est vite imprégnée de son foutre. Je le serrais comme un étau. Mon effarouché s'était immobilisé. Au sommet de l'extase, il m'a eu. Je l'ai eu. Nous n'avons pas, à proprement parler, fait l'amour ensemble, mais avec un homme comme lui, c'est certainement une loi du genre. Cela nous a d'ailleurs suffi. Maintenant, il me faut avoir l'autre. Je vous narrerai, comme à l'accoutumée, les détails de ce nouvel assaut. Votre Monsieur, je crains que mon numéro 2 n'ait de braise que les yeux. Depuis plusieurs jours déjà, ce n'est pas les avances qui ont manqué. Hélas, il n'est guère allé plus loin que ces regards incendiaires dont je vous ai parlé. Il ne semble pas vouloir se saisir des occasions que je lui ai proposées complaisamment. Ou bien, et c'est peut-être là l'explication, veut-il de son côté me faire attendre et se faire désirer. Demain, je le revois, et c'est comme un défi que je me lance à moi-même. Il doit succomber. Je ne crois pas en effet qu'une femme, à condition bien sûr qu'elle soit désirable, et je crois bien l'être, ne puisse décider du moment où elle fera tomber l'homme qu'elle veut s'offrir. Votre Monsieur. Je ne triompherais pas car j'étais sûr de mes armes, mais il faut bien le dire, le monsieur s'est rendu. Je m'étais arrangé à le rencontrer chez une amie commune qui a eu la gentillesse de nous laisser seuls juste le temps qu'il me fallait pour avoir raison de lui. Le bougre ne s'attendait pas à un tel traquenard et croyait qu'une tierce personne lui servirait de bouclier et lui permettrait de se livrer sans danger à son petit jeu favori. Une fois seul avec lui, j'ai fait semblant de vouloir mettre les choses au clair entre nous. Monsieur, lui ai je dit, vos regards et vos manières à mon égard me troublent, et je ne sais quel sens leur donner. Il faut vous expliquer, sans quoi j'en tirerais des conclusions qui ne seraient pas nécessairement à votre avantage. Ainsi acculé, l'animal a dû faire front. Il a fait mine de ne point comprendre à quoi je faisais allusion, mais devant mon insistance, il a dû avouer que son regard, oh. malgré lui, exprimait la concupiscence et le désir. Il restait à savoir bien sûr ce qu'il comptait faire de ce désir, et j'avoue là qu'il a fait preuve, contrairement à ce que j'attendais, de rapidité et d'initiative. Maintenant que je l'avais contrainte à se découvrir, il fallait, m'a-t-il dit, que je lui permette ou de se retirer ce qu'il ne souhaitait point, ou de passer aux actes. Je confesse avoir été prise de cours, à tel point que je me suis entendu lui donner toute liberté à adopter quant à son comportement à mon égard. Sans se démonter, au contraire, il m'a demandé de m'agenouiller face à lui, de faire jaillir son membre de ses vêtements, et de le sucer et de le boire. Je sentais sur moi son regard dévorant de désir, je sentais ses mains qui se crispaient sur ma nuque chaque fois que je pompais son sexe. Je glissai ma main dans son pantalon et me mis à pétrir ses testicules. Il partit dans ma bouche comme un coup de feu. Je me donnais totalement pour jouir et le faire jouir. Il tomba à son tour à genoux face à moi et, tout en pétrissant mes seins à travers l'étoffe de mon bustier, il chercha son sperme dans ma bouche pour le boire à son tour mélangé à ma salive. Nous nous sommes couchés sur le flanc. Il m'a prise sur le côté, une jambe glissée entre mes cuisses. J'ai pris mon plaisir plusieurs fois, il m'a assouvi, mais je le sais, je le veux encore. Votre Monsieur. Je sais, doubler la mise sur celui ci me fait perdre du temps sur ma série. Mais, après tout, ne fais je pas ça d'abord pour le plaisir? J'ai donc décidé de redoubler avec lui. J'ai beaucoup aimé la fougue avec laquelle nous nous sommes accouplés, et j'avoue souvent aimé dans ces jeux-là l'oubli dans lequel on peut tomber du sexe de l'autre, et encore mieux du sien propre. Mes deux derniers amants m'ont accordé de ces instants privilégiés. À qui était le liquide de mon sexe À qui était le foutre de l'homme au regard de Braise lorsqu'il se mélangeait dans nos bouches J'avoue qu'à ce moment là je ne le savais plus, je ne savais point non plus qui possédait l'autre. Et c'est mieux ainsi. Je dois revoir mon numéro deux, je vous en entretiendrai. Votre Monsieur Deux fois valent mieux qu'une. Assurément lorsque c'est bon. Il m'a refait les mêmes gestes que je ne vous redécrirai point et qui m'ont autant ravi que la première fois. On ne peut se lasser de telles choses, et si l'on peut avoir l'impression un instant d'en être rassasié, c'est pour en redemander aussitôt après. Il a su aussi me montrer d'autres choses et combien son exaltation pouvait être contagieuse. Il m'a fait le plaisir de se caresser longuement devant moi et m'offrait ce spectacle comme un don de soi. Voir ainsi sa main aller et venir sur son membre dressé m'a emporté au point que je me suis branlé à mon tour devant lui, sexe bien ouvert, goulu. Je lui ai donné à mon tour cette petite représentation. Il a éjaculé longuement sur son ventre et ses cuisses. Je n'ai pu retenir un cri de plaisir, tant la vue d'une telle chose m'a terrassé. Ce n'est qu'après ces plaisirs solitaires, conjugués ensemble, qu'il m'a prise, plaquée au sol sous le poids de son corps. Je ne pouvais faire aucun geste et je ne participais à l'acte que par mes cris, mes râles et les crispations de mes mains sur ses bras. J'ai entouré ses hanches de mes jambes pour qu'il s'enfonce encore plus profondément. Je me sentais cloué sous lui, Tandis que nous connaissions encore le plaisir le plus fou, j'aurais souhaité qu'il ne se retirât point, et ce fut un véritable supplice que de sentir mon con se refermer, vidé de cette chair si dure. Je croyais l'action terminée pour ce coup, lorsqu'il se précipita de nouveau sur moi, encore ivre de désir, pour me baiser sans fin. Il m'a prise plusieurs fois, mon sexe me faisait mal, horriblement mal, je voulais pourtant encore qu'il fût ouvert, écarté, enfoncé. Je ne pourrais vous dire combien de fois j'ai joui, tant mon âme et mes sens étaient bouleversés. Il m'a laissé dans un état d'abandon après tant d'étreintes, dont je me remets à peine. Votre Monsieur, non, je ne vous imposerai pas le récit de ma troisième rencontre avec le numéro 2. En confidence, je puis pourtant vous dire que celui-là me tient et que j'y reviendrai. Passons donc au suivant, puisque c'est cela que je m'étais fixé. Monsieur, je vous l'ai dit, montrez donc de la distance et de la froideur. Par expérience, je sais qu'il ne faut pas croire pour autant que ces individus sont plus difficiles à avoir que les autres. J'aurais même tendance à penser le contraire. Certes, le plus difficile est de les faire mordre à l'hameçon, et après tout, pour cela j'ai imaginé que le plus simple était de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je lui ai donc fait le coup du mépris. Ah là, le monsieur s'est senti piqué ne pas regarder les autres, les ignorer, soit, mais passer inaperçu d'eux, la chose devient intolérable. Votre amie Suzanne, c'est elle qui me l'a présenté, l'avait convié à dîner un soir de la semaine passée en petit comité. Arrivé l'un des derniers, il a salué tout le monde avec cette réserve cérémonieuse qui ressemble fort au mépris. Je lui ai tendu ma main à baiser, tout en continuant à parler à un autre invité qui pourtant m'assourdissait à propos de je-ne-sais-quelles sottises qui préoccupent les gens aujourd'hui à Paris. J'ai bien senti que j'avais touché notre homme à l'endroit sensible. Il commença avec un air dégagé, à mes pieds dans les glaces, ou en passant près des groupes qui s'étaient formés dans le salon de notre Suzanne. Tout à coup, je le vis parler à notre ami en aparté, et je flairai aussitôt qu'il se passait quelque chose. Suzanne, en effet, alla discrètement déplacer les cartons qui indiquaient à chacun sa place. C'est ainsi que je me trouvais à côté de notre homme lorsque nous passâmes à table. Dès lors, il suffisait de continuer à faire l'indifférente pour l'énerver et le perdre. Tout marcha comme à la parade. Très vite, c'est lui qui m'adressa la parole, tandis que je lui répondais distraitement et comme par politesse. Il se fit un point d'honneur à me dérider et tomba le masque. En fait, l'homme était charmant, et cet air inaccessible qu'il prenait en toutes circonstances lui servait à éloigner les importuns si nombreux partout où nous allons. Nous ne pouvions pas aller ce soir là au delà des quelques paroles qu'échangent habituellement deux voisins de table, mais tout était dit déjà. Au salon, il m'a suivi, et s'est de nouveau assis, avec ma permission, auprès de moi, pour ne plus me quitter de la soirée. Il a proposé de me raccompagner chez moi, vous imaginez bien que j'ai refusé, il doit me rendre visite. Je l'attends. Votre. Monsieur. Il ne m'a pas fallu attendre bien longtemps la visite de ma dernière conquête. Trois jours à peine après le dîner de Suzanne, il s'est présenté chez moi pour me faire, paraît-il, quelques civilités. Je crains, comme vous pourrez en juger, que nous ne soyons allés bien au-delà des civilités pour aller jusqu'à ce que l'on appelle les privautés. Je n'avais pourtant pas l'intention d'aller trop vite et souhaitais me faire désirer. Je me suis tenu le plus possible éloigné de lui et n'ai parlé que de choses anodines, en tout cas peu susceptibles de nous conduire aux confidences qui, de fil en aiguille, si je puis dire, créent cette intimité propice au débordement. Mais il est des situations que l'on ne contrôle pas toujours et, comme par enchantement, je me suis retrouvé pressé contre lui, le dos à la cheminée à laquelle je m'étais accoudé. Seules nos mains manifestaient nos envies. Il m'a d'abord longuement baisé dans le cou, a relevé mes cheveux. Il effleurait ma nuque, j'ai noué mes doigts dans son dos tout en cambrant mes reins. J'écrasais son sexe contre le mien. Cette étreinte dura longtemps et j'avais l'impression un peu sotte que nous n'irions pas plus loin. Aussi brusquai-je l'homme que j'avais dans mes bras. Je soulevai vivement ma robe, découvrant mon ventre masqué seulement par quelques dentelles blanches. Cette provocation soudaine nous jeta presque à terre. Il agrippa mon sexe que je lui donnais ainsi à travers l'étoffe. De son autre main, il s'empara de mes cheveux qu'il tira sans ménagement en arrière, dégageant ma gorge qui devint sienne sous la morsure de ses dents. Mes cris redoublèrent son ardeur. Il se transforma en une véritable bête que rien ne semblait pouvoir arrêter. Il laboura mes reins, écarta mon sexe aux limites du possible, manqua d'échirer mes seins qu'il tirait à lui. Je retrouvais tout à coup et de manière inattendue les plaisirs que j'avais découverts il y a si peu de temps et dont les jeux que je m'imposais depuis peu étaient censés m'éloigner. Je revis en un éclair l'abîme de plaisir dans lequel me plongeait la cruelle relation que je prétendais vouloir fuir. Que faire, sinon s'abandonner à ce fatal penchant? Il a très bien compris que, loin de m'effrayer, son attitude menaçante me comblait pleinement, et que de moi, il pouvait faire l'objet de toutes ses fantaisies, y compris les plus abjectes. J'ai bien peur de ne pas avoir le courage de vous dire jusqu'où nous sommes allés dans mon avilissement. Mais j'ose le dire, je n'ai jamais été aussi heureuse que dans cette abomination. Je sais maintenant que l'on peut obtenir de moi les actes les plus répugnants, à condition de savoir l'exiger. D'ailleurs, à proprement parler, il n'a fait qu'imposer comme quelque chose de logique, chacun de ses gestes et chacune de mes attitudes. Je me suis donné dans toutes les postures, il a fait de moi ce que bon lui semblait, il est allé jusqu'aux humiliations les plus extrêmes. Aujourd'hui, c'est dans la fange que je retrouve mon plaisir. Je n'y puis rien, c'est ainsi tout le reste ne me semble plus désormais que triste digression au regard de ce que j'attends vraiment. Je dois reprendre mes esprits et penser à tout cela, je vous dirai bientôt ce qu'il advient de moi, votre Monsieur. Le tourment qui m'assaille depuis ma dernière lettre est l'explication de mon silence. Je comprends que vous soyez avide de connaître la suite mais par pitié, si vous avez appris à m'apprécier, montrez à mon égard un peu moins d'impatience et plus de mensuétude. Il ne s'agit plus désormais d'un simple petit jeu entre vous et moi, un jeu bien anodin somme toute, à côté de ce que je viens de vivre ces dernières semaines. Je croyais en effet être à l'abri des mauvaises surprises, et il s'est avéré qu'il n'en était rien. Je croyais être affranchi, et je deviens esclave. Je pensais trouver ma plénitude dans le libertinage, je veux me soumettre maintenant aux contraintes les plus rudes. J'ai fait ce qu'il fallait pour cela j'ai revu mon initiateur, et l'ai prié de bien vouloir être mon maître. Ce à quoi il a condescendu. Désormais, hélas, je suis à lui. Il me tient et rien, me semble-t-il, ne pourra m'arracher à lui. En acceptant sa charge, il en a fixé sans ambiguïté le caractère irrévocable et sans borne. Vous comprendrez aussi que désormais, je lui dois l'exclusivité de mon corps et de mon âme. Nul jardin secret, serait-ce le nôtre, ne peut lui échapper. Du reste, il m'a fallu avouer notre manège. Et je vous ai trahi. Dieu merci, malgré les sévices qu'il m'a fait subir, je n'ai pu dire, et pour cause, qui vous étiez. Ainsi lui suis-je infiniment soumise, et je n'ose concevoir qu'un jour peut-être je pourrais vous écrire pour vous dire où j'en suis. Mais, puisque cette lettre est certainement la dernière, je voudrais vous dire combien vous avez été, durant ces longues semaines, le véritable accoucheur de mes sens. Sans vous, sans aucun doute, je n'aurais pas découvert ce que j'étais vraiment, et me serais contenté de bousculer quelques tabous en vivant à ma guise. J'ai découvert enfin que j'avais besoin d'une règle, et qu'il la fallait très stricte. Non, je ne jouis pas dans la douleur, je jouis dans le don, et si j'aime être convoité, c'est comme un objet. C'est dans ses mains à lui, et sous sa férule, que je me sens ainsi. Peut-être serez vous effrayé par ce qui m'arrive, et en concevrez vous quelque regret à mon endroit. Ne vous laissez surtout pas aller à ces sentiments là je suis heureuse ainsi. Pourtant, vous le savez, l'espérance et la crainte sont inséparables, et la frayeur que je ressens aujourd'hui à m'engager dans ce chemin sévère est faite de la peur de ne pas être à la hauteur et de l'épouvante à penser que mon maître pourrait se lasser de moi. Plaignez tout de même celle qui pour la dernière fois peut être votre Postface. Étrange correspondance que celle qui nous est donnée ici. À celui qui vient de la lire et souhaite quelques explications quant à son origine, que dire sans trahir le secret qui était la condition d'édition de ces lettres D'abord, et on l'aura senti, que ce courrier est déjà vieux de plus de soixante ans. L'incroyable fraîcheur de son style et la rigueur qu'il manifeste nous laissent interdits devant une liberté de ton que l'on attribue trop souvent à une libération des mœurs plus récente. Il est vrai que le premier conflit mondial avait fait son œuvre et que nous avons ici l'un des témoignages de ce que l'on a appelé les années folles, auxquelles nous devons tant de bouleversements culturels. Celui dont témoigne cette écriture n'est pas le moindre. On nous avait dit que les jupes raccourcissaient, il en est qui les enlevaient carrément, et puisque cela donne parfois de la bonne littérature, Comment ne pas s'en réjouir. Car, volontairement ou non, nous pencherons pour la première hypothèse, notre inconnue fait œuvre d'écrivain. Elle construit, lettre après lettre, un texte dont la saveur et la richesse nous comblent. Il n'est point ici nécessaire de faire de comparaison. L'amateur saura qu'il est sans conteste, en présence d'un des grands morceaux de la littérature érotique, et ce, en dépit des grands classiques. Qui encombre et avec une réputation souvent usurpée, les seconds rayons de nos bibliothèques. Ici, la référence à la qualité littéraire n'est pas la Libye facile pour lire, sans mauvaise conscience ou sans rougir aux yeux des autres, quelques lignes lestes. D'ailleurs, réduire cette correspondance à une suite de descriptions osées, capables de nous émouvoir, serait une erreur profonde. De l'homme qui a conservé ses lettres et les fait circuler non sans perversion, nous ne saurons presque rien. De la femme, nous apprendrons l'essentiel, jusqu'à l'expérience ultime qui l'a réduite au silence. Le seul lien qui les unit est la même volonté acharnée qu'ils emploient au récit détaillé de leurs plaisirs. Las des stéréotypes et douée d'imagination, la femme se risque sur un chemin difficile, celui de la nature de ses désirs et de ses plaisirs. Dans sa détermination à jouir, elle trouve le courage de sa jouissance. Et si la quête passe par l'avilissement, c'est parce que le sordide et le sublime ont souvent parti lié. Au terme de cette correspondance, la femme devient muette. Elle n'a plus rien à dire. Elle s'est trouvée, acceptée. Elle a dépassé l'effroi en se dépouillant dans son humiliation, car la jouissance ne saurait se payer de simulacre. P. V Қардың ж金 Қарадыым жұр Administration 재미ast of them